Et voilà, bonjour tout le monde. Oh, j'ai même pas activé la caméra parce que c'est n'importe quoi de mon côté. Ouch. Le Ah lancement si, on tellement peut à me l'arrache. voir. Ah. Oui, Il arrive, il dit je lance. Demande pas si j'en sont prêts. j'aime C'est très trop. vilain, je vais même pas demander si vous allez bien en plus. Je suis très très C'est trop vilain. fort. C'est trop fort. Mon son peut-être? Mon son, non, le mien, le Ah, le mien. tien. Taratati. Qui c'est qui est en Lexus? Oh, Nayone. Tirage des voitures dans le chat. Avec la commande point d'exclamation GD. Ah putain, ils ont pas lésiné sur les moyens. Sympa. Ding. Pas sympa. Putain, les commentaires sur YouTube sont horribles. Ouch. Tant Oh, oh, bif. mieux. Faut que j'aille Allez. flâner sur ta chaîne, Nash, un de ces jours. Ah, pour. Bah, voir ce que t'as fait. Tu te casses le cul à faire des montages et je suis pas encore allé voir. Attends, j'ai pas suivi. Non, non, non. Non, Deux sujets c'est différents. le sage qui a pas suivi le sujet, en Ah, pardon. fait. Non, Parce non, ça, que... je regardais le Gojira en train de jouer pour les JO hier. Ouais, tu connais pas. Non. Bah. Bref, ouais, c'est un groupe de métal français qui était à la cérémonie d'ouverture. C'est bien. Je savais pas. Et les commentaires sont infâmes. Oh. En même temps, vu l'image qu'il y a eu, bah bref, Invité le ouais, c'est sympa. sage. Et qui. Non, de ce que j'ai compris des retours, il paraît qu'ils ont bien bossé. Les Italiens disent de nous qu'on a fait la perfectionne. Il paraît qu'il y a un commentateur de télé allemand qui, pris par l'émotion, s'est mis à chialer en direct. Ouais, écoutez quoi? Et côté mauvaise nouvelle pour les JO, à un moment, la circulation des trains était bloquée à 80% partout en France parce qu'il y a eu un acte de sabotage de système de sécurité des trains. Et ils ont coupé un boîtier avec des fils. Ils ont dû appeler, mobiliser plein de gars pour tout réparer les fils un par un. Ça a dû mobiliser et puis faire la circulation des trains, entre guillemets, manuellement. Bah, espérer qu'il n'y ait Il pas manque le d'autres sage. sabotages. Ouais. Parce Putain, que l'écho est toujours aussi horrible. quand devient Non, c'est moi qui ai l'écho, je pense. le centre du monde Ouais. avec les JO, on cristallise les tensions. Et comme il y en a beaucoup dans notre pays, potentiellement c'est chaud. Ils ont tous été choqués par la décapitation de Marie-Antoinette, mais sérieux? Oh putain! Ah, les Salut, cousin commentaires sont Yo. horribles. Bref, pardon, Par changement de sujet. contre. J'espère que les Japonais ont pas trop mal pris une vanne qui serait passée, si je l'ai bien comprise, parce que moi je montais qu'aux photos dans la presse. Le coup de la malle qui est un clin d'œil à l'évasion de Carlos Ghosn, je sais pas si les Japonais vont apprécier. J'ai presque envie de dire, j'espère qu'ils ont pas eu la référence. Ils ont pas d'humour. En ce moment, c'est pas une bonne Ouais. idée de faire des vannes aux Japonais. Hein. Enfin bon, bref. Tu peux te mettre prêt, le sage, qu'on se débarrasse de cet écho? Oui, pardon. Attends, pourquoi mon prêt il marche Tu pas? vas être fouetté sur la place publique. Hein? Voilà. Quand Et vous fouettez si sur on la place publique, c'est peut se une image horrible. recentrer sur le sujet, de parler d'autre chose. Vivi, excusez-nous. Bonjour Rio, pardon, j'ai pas vu. Oui. Bonjour le cousin Bonjour. Rio. Bonjour, Yoli Saiba. 1, 2. C'est chiant ce truc quand même. Ah, je Oui, me suis entendu, c'est une blague. Lux. Ouais, mais t'as l'écho du jeu et en plus, tout ce qu'on dit, on le Ah. rentre chez Nayone. Bah, comment ça se fait que mon son est super faible, mais ça. Bon, attends, j'ai coupé Ah. complètement. Attends. On va désactiver le. Petit Seb, je crois que souci avec ton live, non? C'est moi. Non, je sais pas, depuis 2-3 jours, le début de mes streams, il est lagué de ouf.
en fait. Est-ce que je suis encore en écho? Attends. Vas-y, vas-y, fais un test. Test? Non, c'est bon, je t'entends plus. Ok. Nayone, essaye de parler, toi aussi. Bla, bla. Ouais, c'est bla. Bon aussi. Non, c'est bon. Toi aussi, petit Seb, c'est bon. On et le sage, il est où? Bah, j'ai appris mon sac à cracher au chargement. Ah, ah d'accord. Bah, du coup, est-ce que. Attendre, checker un peu les armes. Bon, ouais, j'espère qu'on va tous s'amuser. Pourquoi ça crache? Je sais plus jouer. J'espère qu'on va tous s'amuser. Je suis perdu. Mais j'espère surtout que le stream va s'y mettre parce que. Ouais, il a du mal à démarrer. Là, ah bah non, mais là je suis connexion dans le rouge. C'est juste stag entre 2 kilobits et 5000 kilobits. Ça monte, ça descend. Ça fait que ça. C'est chiant les problèmes techniques. Hein. Quand on sait pas d'où ça vient, on perd des heures, on perd une heure à tout retrouver comment ça marche et ensuite, c'est résolu, il est trop tard. Ouais, parce que, enfin, de toute façon, moi quand il y a un problème technique, c'est simple, je l'arrête et je tombe pas. Ça me fait pas chier. Oui, voilà. C'est la solution radicale, c'est pas s'embêter. Mais de toute façon, moi, c'est que des solutions radicales. C'est pour ça que mon Discord est tranquille. Hein. Il y en a qui ont essayé de faire les cons, ils se sont fait dégager direct, sans commentaire, sans rien. Du coup, il n'y a plus personne qui parle. Mais il y a eu une mise à jour il y a quelques jours sur OBS. Je me le rappelais plus tard. Et depuis, ça me fait ça, en fait. Donc, je pense que c'est la mise à jour qui ne passe pas. Qui passe pas avec les mises à jour Windows. Les mises à jour. Non, il faut faire une mise à jour ça marche OBS. Pas, hein. Puis il faut faire le pire, c'est la mise à jour du BIOS. Si il y a coupure de courant, bim. J'avais une vieille version d'OBS, tout marchait nickel. Bon, il y a certains jeux qui passaient pas sur le stream. Alors effectivement, j'ai fait la mise à jour d'OBS. Du coup, tous les jeux marchaient, mais et encore non, parce qu'il y en a encore qui marchent pas. Et mais depuis, si je fais pas la mise à jour, j'ai des problèmes. Et là ça me fait chier, je pense que je vais être obligé d'arrêter le stream, de faire la mise à jour et ensuite de relancer. Ok, on ramasse un maximum de trucs avant de fermer. Mais oui. Ah non, laisse tomber, hein, je quitte pas Borderlands. C'est OBS. Ah, c'est alors, ah d'accord, ok. Borderlands, est-ce que tu peux me renvoyer une invite s'il te plaît? C'est désolé. Attends, je peux le faire moi, je peux le faire je pense. Ah ouais, on dirait que t'as des lags, tu sais. Non, je viens de couper le... Voilà, je t'ai invité, j'ai cliqué sur arrêt du stream il y a 30 secondes, tu vois, c'est toujours pas arrêté. Ah ouais, non, t'es encore en train de streamer. Ah ouais, c'est incroyable. Là, ça y est, ça vient de se couper. Peut-être moi qui ai un gros retard. Non, parce que du coup, avec le lag, moi, ça m'a mis du retard aussi sur mon propre stream. Donc ça, je le supprime. Voilà. Alors OBS, comment je fais pour le forcer à faire la mise à jour maintenant? Ça c'est autre chose. Bonjour le sage. Oh bah c'est marrant ça. Ah non, c'est une vitre fumée. Vous me voyez à travers la vitre du cockpit ou pas? Moi je suis pas dans le bâtiment, je suis dehors, désolé. Je... Yep. Pas... Ok, le sage n'est pas là. Je trouve pas comment faire la mise. Oh, pétard, je suis fatigué. C'est pas dans la dernière option du menu de BS à propos. Généralement dans les boîtes de dialogue à propos, la toute dernière. Tu peux avoir mise à jour. Je crois que tu dis vrai. Oui, il y a recherché des mises à jour, c'est ça. Ouais. Bien vu. Bah, lynx de lynx. Le lynx de Nancy. Oui, c'est une routine pour moi, c'est Tib. Bah. Il faut que tu règles ton problème d'écho en jeu, le seul. Pardon. Qu'on accepte de te pardonner. Alors, je relance, on va voir ce que ça donne.
Attends, moi c'est mon clavier de joueur. Ça part dans le rouge pareil. Je sais pas pourquoi il me fait ça depuis 3-4 jours. Hein. Ou alors si c'est pas le logiciel OBS de diffuseur qui pose problème, effectivement c'est le support de base qui est le système d'exploitation. T'as une peut-être une mise à jour qui est venue semer le chaos dans ta. Dans ton j'ai pas une mise à jour. Non, t'as pas une mise à jour. C'est bizarre cette histoire. Voilà, bon, faut que je faut que je fasse changer la box. Hein. Ah, la box, ouais, serait. Ouais. Ah, bah la box a plus de 10 ans, alors. Elle doit peut-être jouer. Ah, oui, c'est même sûr. Au bout de 10 ans, c'est mise à la retraite de l'électronique en informatique en grande règle générale. Donc, oui, il faut que tu changes ta box, petit Seb. Bon, je suis plutôt en vert, ça devrait être bon. Allez, eh ben non, je repasse en rouge. Le PC porte. Je lui ai demandé de se limiter à un nombre, à une vitesse de stream, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à la tenir. Waouh! Ce qui n'était pas le cas. Ah, je suis 10 ans. J'ai passé des 10 ans d'utilisation avec mon PC portable. Putain, la vache. Le problème, c'est ça, c'est que ces problèmes-là, je les ai vus sur mes autres streams que j'ai fait cette semaine. Mais sauf que comme il n'y a personne sur mes streams, il n'y a personne pour me dire s'il y a un problème ou pas. Donc ça se trouve, j'ai que des vidéos complètement laguées, buggées, tout ce que tu veux. Oui, navré. Ouais, c'est pas cool comme expérience. Oh merde. Je pense que je vais juste finir par arrêter de stream, comme ça je pourrais jouer à ce que je veux quand je veux sans me faire chier. Au secours. Bon, allez. Putain, un troll, le sage. Fais gaffe, René, tu vas tomber. Il descend dans le vide, mon personnage. C'est là. C'est du grand bordel. Donnez-nous vos pauvres, c'est problématique. Nous leur offrirons un travail. Montez pas dans le vaisseau. Non, le sage, tu vas tomber. Si tu descends, tu tombes. De toute façon, il va falloir que vous descendiez tous pour rappeler le véhicule, hein, c'est tout. Oui. Je ne reste pas ici. Ah, le véhicule est bugué en plus de ça maintenant. Ça y est. Non, je veux pas descendre de ma voiture. Non, mais on va faire dépouper le véhicule. Normalement, tu tombes pas. Oui. Non, tu peux pas. Tu peux pas tant qu'il y a quelqu'un dedans. Ah bon? Ah merde, bon. Non. Je veux un véhicule. C'est pas juste. C'est dégueulasse. J'ai pas vu le carnage. J'ai juste fait une marche arrière, quoi, ça fait chier. Ouais, et puis ça douille à la réincarnation. T'es ponctionné sur ta petite fortune perso. C'est tout bon, petit Seb? Ah oui, ouais, oui. C'est plus de table. Oh bah ça alterne encore, mais bon, c'est pas grave, hein. Je stream comme ça, de toute façon ça tue. Voilà. Comme d'habitude, vanille fraise. Tu conduis? Tu veux conduire, vas-y. Non. Vas-y. Ouh, voilà. Bouge du chemin! Chauffard! Voilà, t'es la vache, tu t'es décompressé. Pourquoi j'ai toujours que des voitures buggées? Oui. Ah, bien joué. Ouais, qui c'est qui monte avec moi du coup? Bah c'est le sage. Le sage du... Je suis à bol, chef. Poussez-vous! Waouh! J'espère que t'as confiance, Nayone. Bah comme tout à l'heure, oui, j'ai vu le reste. Oh là là! C'est dommage. Bah ouais, ma voiture est trop haute par rapport à la vôtre. Du coup, forcément, c'est moi qui passe par-dessus. Ouais. Vous avez oublié votre voiture, vous avez perdu votre voiture en descendant de la voiture, le conducteur. Ah merde! Ah ça c'est con! Elle est bien bonne. Il me faut un véhicule. C'est petit. On a un spolier arrière du tonnerre. Avec la tronche. Juste qu'on passe la zone. Allez. L'oxy dessus. Tout va bien. Trop loin. C'est bon. Ouf. Non, pas tomber. Fais confiance. Oh punaise. Fais confiance, je sais pas si c'est une bonne idée.
Oh, j'ai frôlé là. Ouais, là c'était la catastrophe. Là, pardon. Pardon. Attendez, avant de partir, regardez, il y a écrit Secret Final Boss. Est-ce que c'est un vrai truc ou pas? Oui, hein, c'est troublant. Hein. Mais on s'est posé la question la dernière fois et ben, on n'en sait rien. Un mur. Ouais. C'est un mur d'arrêt, ouais. Un petit bisou entre voitures. Quoi? Je ne mange pas de ce pas là, je ne suis pas mécanophile. Ouais. J'ai dit entre voitures, hein. C'est bon. Lumière rouge de Puis tu vois, parce que j'ai un chapeau en forme de pointe qu'il faut s'asseoir dessus. Ouf. Mon dieu, j'ai de l'image. Ah, ça y est, j'étais sûr. J'attendais une réaction comme ça. Ouvert en deux, quoi. Ouf, oh, alors. Tu vas vraiment très très loin là. Bah une pointe hein, ça découpe hein. Mais c'est de la voiture. C'est du jeu de voiture le truc ou quoi? Ah. Oh oh. Vraiment je suis passé. Allez tout Je va bien. Crois qu'il faut pas passer par là. Nous sommes tombés à la renverse. On préfère la version Paris-Dakar, petit Seb et moi. Vous êtes arrivé à destination. On descend du véhicule. Ouais. Je pense que c'est là. Salto latéral. Ah, seulement un tour. Merde, je suis descendu comme un crétin. Non, non, mais t'inquiète, de toute façon, je pourrais pas aller plus loin avec la voiture donc. Ici, il me tire dessus vite. Oh. Plus fort et plus terrible. Précision pourrie, mon flingue. Il va commencer la chose. Ouf. Voilà, on est arrivé. Bien joué. Bien joué. C'est bon, t'es entier, le ça? Oui. Ouais, ça a bien secoué, hein. Mais je suis là. J'ai même pas regardé l'inventaire. Ouais, moi, oh la vache, je suis presque plein. Oh, ça, c'est débile, par contre. Oui. On a il là-bas. J'ai voulu faire les missions secondaires, je suis en train de me demander si on n'est pas obligé de faire la mission principale pour activer le pont. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Oh, toutes les merdes que j'ai, moi. Oh là là, attends, mais ça va pas le faire, ça. Faut vider tes poches. Faut vendre tout ça. Voilà, c'est mieux. Ah bah non, je suis tombé à côté. Oh, bien joué. Bon bah, y'a plus qu'à sauter dans le vide. Je vais acheter des grenades. Vous avez perdu 232 331 de thunes. Ok. Oui. On a quoi, un téléphérique à prendre? Moi j'ai sauté. Oula. Ah, il y avait un chemin par là. Attends, j'arrive 30 secondes. Ouais, les chemins c'est pour les faibles. Ouais. Jamais. Aïe. Ah, c'est bon. Ah merde! Mais! C'est. Waouh! Bon. Bah, je me suis trompé. Je croyais que vous seriez sympa et que vous m'aideriez. Vous n'imaginez pas toute la merde que je dois me coltiner ici.
L'amiral vient de me faire un sandwich avec une chaussette et du chewing-gum. J'en peux plus. Oh, et du matos, si, bon, si. Bah, attends. Il y a du matos. Ah, mais vous êtes monté par là. Bon, on dirait que c'est terrible. Hop là. Ah, malin. Il disait qu'il avait un bouclier à 537 de capacité. Non merci. Ok, bah personne ne répond, ça veut dire que c'est long. Attends, c'est sûr, on a répondu. Moi j'ai pas répondu parce que j'ai pas eu le temps de regarder encore. Et je crois même qu'on pas est à plus de 600 chacun, il me semble. Non, moi je suis à 811. Moi. Ok, donc je vais vendre. J'ai mes dés. Ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Ça c'est de la grosse merde. Ça aussi. Je sais même pas pourquoi je me pose des questions. Bon, tout le monde est parti, je ramasse tout. Non, j'étais encore là, moi. Ah, vas-y. Plutôt plaisir. Par contre. Ah! Oh non, fais pas croire qu'il faut faire tout le tour. Faut faire tout le tour. Est-ce que Nayonet, tu peux aller au pont pour activer la téléportation? Je sais pas où il est. Bah, tu traversais le pont dans ta direction là. D'accord. Le pont en lumière là, le pont halotique. Ouais. Le pont de Halo. En rouge, version rouge. Déjà. C'est vrai. Bah, alors le sage, j'ai pas vu en soirée tout ça. Bah, j'ai activé le pont. Je crois qu'on arrive sur la fin du DLC. Ah. Qu'est-ce qu'il fait en hauteur, DJ Psycho? Regardez derrière. Ah, bon, c'était le chargement. Oh, c'est quoi qui se pose? Ça pète de partout là. Ah, c'est des. Des Catwoman. Ah non, celles qui font le katana et qui me découpent en sa chimie. Ah mince, du coup, oui, du coup. Oh putain. C'est une des. Une des unités de combat de. Comme elle s'est fait violer celle-là. Oh! Viens là! J'envoie le foulé! Est-il rôti? Elle gigote de trop, hein. Il se laisse pas faire. Popelor! Ça a dessus! Oh, et un flingue, regarde, Nash, un sniper. Non, c'est. Ouais, alors. Vu merde. Le dégât du sniper, c'est 74. Ah, mais c'est un petit assaut, ça, galère. 74. Mon sniper, il est à combien? 771. Qu'est-ce que c'est que ça? Il manque un chiffre sur le truc. Général Alfonso Knox à l'attention de l'amiral Mikey. Attends, je vais le prendre parce que ça intéresse personne, ça fait un peu de fric. Et j'ai commencé mon enquête pour élucider les causes de l'échec du commandant Steele. Enfin, à part s'être empalé sur un tentacule de calamar géant. Amiral, j'attends de nouveaux ordres au plus vite. Je vous recontacte à réception. Terminé. On sent que Knox, il a fou. Truc dedans. Il aime ce qu'il a à trouver là. Il y a un coffre ici avec des armes de merde. Moi j'ai un coffre avec des munitions que je récupère pour tout le monde. Oui. Oh, je vais prendre. Moi je vois des choses. Je repère les lieux. Ah, le scout de Nancy. Yeah. yeah. C'est en fait. Le sage de Nancy, c'est un peu comme les Schtroumpfs. T'as le Schtroumpf farceur, le grand Schtroumpf. Il y a plein d'itérations et tu vois le sage avec son costume. avec plein de perruques différentes et c'est voilà. On va se faire un Photoshop, on va prendre une photo du sage, on va en faire plein de versions. et à la fin, on marquera nouveau film des Schtroumpfs. C'est un concept. Oh mon dieu, les arachnides du désert. Nancy est un grand village de champignons. C'est ça. Ah, c'est marrant, la montagne en face, il y a un espèce de. De quoi?
de squelette de d'hippopotame, de tyrannosaure, oui, ou je sais pas quoi. Ouais. C'est vrai. Ah bah voilà où était ma vertèbre. Et de vertèbres, voilà. Je suis en train d'asticoter les araignées géantes, hein, je vous le dis. Putain, il est déjà mort, petit sale. Ah non, mais parce que je pensais que... Tu vois, depuis le début, je pense que les mines, il suffit de juste... de tirer dessus pour les faire exploser. Alors que non, si tu passes à côté, ça les déclenche aussi. Ah! Là, il y a un petit problème. Elles sont pas contentes. Putain, mais on a raté le truc de voiture, en fait. Mais bouge pas, toi. Tiens, prends cette roquette dans la tronche. Mais non, mais t'en vas pas. Boum. Pourquoi elle saute? Bah, elle saute vers le haut. Ah, ce bug. Ah oui, non, mais ça, c'est... je trouve ça trop drôle, moi. Par contre, c'est moins drôle parce que je suis... Là, j'arrive. Non, mais c'est que des Skagalfa ici. Merci. C'est bon. Foutons le camp. Prends le véhicule, vas-y. Allez, crève, saloperie. Le véhicule, vas-y. Recoupe, ça l'attaque. Ah mec, il a bougé. Bien joué. On l'a eu. Voilà. Tu devrais déposer des droits pour ta chanson. Ah tiens, le véhicule des anciens. Oui, vas-y, prends le volant. Attends, je t'amène pas près de la mine, sinon tu vas exploser. Bah oui. Non, faut que je prenne mes lance-roquettes. Oh, bien joué. Tu tires sur quoi, Nash? C'est quoi ça? La mine. Ah, sur ça, là. Aïe. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Non, 160, derrière toi. C'est fou, ça. Non, il faut ça pour la faire péter. Qui c'est qui? C'est un ennemi, là-bas? Ouais. Non, ça marche un petit peu mieux. Ah, c'est Nash et... C'est Nash. Oh la vache. Quoi? Non, mais je vois au loin, je comprenais plus, j'arrivais pas à vous identifier en ami-ennemi, j'étais complètement guaqué. Ah bah en fait, on s'est pas dit, mais on est des world boss. Hein. Je vous voyais de très loin, donc j'arrivais plus à faire rapport le distinguo. Rapport du général Alfonso Knox à l'attention de l'amiral Mikey. Il faut vraiment dire tout ça à chaque fois. Je suis à bord. Ça fait beaucoup de blabla juste pour vous tenir informé. On board. Bref, j'imagine que c'est une plaisanterie. On va aller par là. J'avais commencé à stocker des armes pour ce que je croyais être ma mission. C'est-à-dire réoccuper Pandore. Ils sont dans le bâtiment. Tiens, il y a une coffre derrière si tu veux. Extraterrestre à la base de notre domination intergalactique. Lorsque j'ai reçu un paquet de vous portant la mention ordre urgent. Il contenait un best-of. 14 éponges et ce qui ressemble à du chocolat fondu. Attends, il y a des modes avec des grenades. J'espère que vous rectifierez rapidement. Ah, à sous munitions. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans les grenades? Murieux, ça c'est pour moi. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, hop. Ouais. Non, rien, moi je vous laisse ça. Seul truc vraiment, absolument que je recherche, c'est un pitopon. C'est tout. Je vais prendre le dernier truc. Tac. Là, on est tellement blasé qu'on cherche juste un truc, on ne cherche même plus à améliorer le stuff de manière. Non, mais là, mais c'est pas pourquoi le jeu il est. Mais ah, il est plat. Je me souviens que c'est pour ça que j'hésitais à le faire en multi le jeu, même si j'en avais très envie. C'est parce que j'ai franchement l'impression qu'en multi tu te fais niquer comparé au solo. Ah ouais? Bonjour, Twinsen. Ouais. Parce que si tu veux, t'as la différence de niveau qu'il y a entre nous, hein, le fait que toi, Nayone, tu sois encore niveau 42 par exemple. Oui. Elle s'explique par une seule chose en fait. C'est notre capacité en fait à tuer les ennemis d'une certaine façon. C'est-à-dire que Nash qui tue les ennemis au snipe, beaucoup au snipe depuis le début, il va non seulement monter son snipe, ce qui va lui donner plus d'XP par rapport au snipe, mais il va aussi faire plus de têtes, ce qui va lui donner plus d'XP par rapport aux têtes, parce qu'il y a tout un tas de défis quand tu vas dans ton menu. Tu vas dans les quêtes, tu prends le deuxième onglet avec les médailles, et là... tu as tous les défis. Et en fait, chacun des défis va donner une récompense en XP, etc.
Et c'est facile, s'il y en a un qui fait plus de défis que les autres, bah, il va gagner beaucoup plus d'XP. Et du coup, tu vas avoir une ouais, différence en fait, au niveau de... Oui, non, mais forcément, il y en a que t'as pas fait, parce que tu peux pas. Parce que justement, parce qu'il y en a qui font certaines choses que d'autres, bah, du coup, peuvent pas faire. Ouais. Et c'est pour ça, je trouve que, en fait, le jeu en multi est beaucoup moins bien fait. Genre, si tu fais une partie en multi, ça, les défis devraient être réduits, pour être plus faciles à atteindre, pour moi. Tu vois ? Parce que tu sais que bah, si, par exemple, en solo, t'as, je sais pas moi, 10 000 têtes à faire, eh ben, t'es deux, t'en as plus que 5 000, par exemple. Bon, c'est peut-être exagéré de diviser par deux, j'en sais rien, mais... Ouais. C'est mal bugorné, en fait. Non, après, c'est le premier jeu de la série, donc bon. Voilà, oui. On peut leur expliquer ça aussi. Hein. Déjà, il y a un multi... Ah non, mais après, c'est voilà, je dis... Je pointe ce qui est mal, je dis pas que voilà, le jeu est très bien. Ça, on est tous d'accord. Moi, je trouve que le jeu, l'histoire de base est bien. Je trouve que les DLC, c'est en trop. Vu que ça. Non ? Vous en pensez quoi ? Bah, en vrai, les trois premiers DLC, je suis d'accord avec toi. La quatrième est un peu mieux. Bah, voilà. Le quatrième, je le trouve intéressant. Merci. Hein, le pire, on est tous, je pense qu'on est tous d'accord, c'est celui de l'arène. Ouais, c'est de la merde. Oui. Ouais. Bah, surtout qu'en plus, enfin, qu'ils ont fait avec le 2, c'est qu'il y a également un truc avec une arène, mais il y a vraiment une vraie histoire autour de ça, avec Monsieur Thor. Ce qui est beaucoup plus intéressant, parce que là, avec Moxie, c'est juste faire des arènes et basta. Qu'est-ce que... Il y a du mouvement vers toi, Nash. Oh mon dieu. Oui. Ouais, il y avait. J'ai peut-être été un peu gourmand sur ce coup-là. Il y a encore un qui éveille l'apocalypse. Bon, cher. Oh, la cadence de tir est pas terrible, en plus, il prend un point de pas. Mauvais choix. Attends, mais je me planque et je te trouve. Oh là là, c'était. Oh, en plein vol, je l'ai vu lui. C'est bah, oh. Magnifique. Ah, bien bouilli. Non, mais c'est de la merde, je ramasse. Qui bestiaux. Alors attendez, je vais comparer les quêtes. Alors ça, c'est où? Non, moi, pour l'avoir fait une seule fois avec vous, la reine, j'ai apprécié. Mais il est vrai que si je vais me recoltiner tout, mon enthousiasme serait effectivement rapidement douché. Pas de gain de niveau dans la reine. Ouais, ça commence un peu abusé, ça. C'est du gros défaut, ouais. Mais c'est vrai que c'est illogique, le fait qu'il n'y ait pas de gain d'expérience, c'est vrai. Bah, en fait, le problème, c'est que quand ils ont ajouté le lien de la reine, le DLC de l'arène, ils n'ont pas augmenté le niveau maximal des persos. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'XP dans l'arène. Parce que tu es censé y arriver au niveau max. Sauf que nous, comme on a ce DLC-là, le DLC 3, qui rajoute 10 niveaux aux persos, et le DLC d'après qui en rajoute encore 10, bah en fait, du coup, ça décale le truc. Mais je lui fais des coups de balle, ça lui fait rien. Donc ça, c'est là... Donc là, on a tué Cérésia et il manque Helicon. Mais ça va venir, ça. On va la trouver. Bien joué, Dayone. Finalement, ma seule compétence, ma seule arme qui marche très bien, c'est la colère. Donc ça, on verra après. Ah, mais c'est peut-être parce qu'ils sont en armure. Et du coup, tu les clingues assez facilement. Avec toutes les armes et toutes les ennemis que je fais, c'est les seuls moyens de la façon la plus efficace. Arrive! Oh. Il y a un brutal là. Oh. Ah, j'ai tiré, le sage s'est décalé juste devant moi au pire moment. Oh, non mais t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, hein. C'est moi qui étais derrière. Hein. Allez, ouvre la bouche. Tiens, mange le... Lui déchirer la mâchoire en deux. Oula, j'ai des images, c'est horrible, je peux... Non, ouais, je sais pas. C'est immonde. Je me disais, purée, je suis en train de taper le gros skag cavalier et il y a un truc qui m'attaque, mais il y en avait un mini.
mini Skype peut en cacher un autre. Bon, je suis pas convaincu par le lancement 4. Hein. Ah bon? Bah pour viser, quand ils bougent, les roquettes elles vont exploser dans le vide. Le lanceuse bête, à moins que t'aies des roquettes téléguidées, il est pas très utile dans le jeu, sauf sur les gros boss. Et tout comme ça. Ils sont trois dessus, j'y crois pas. Aïe! Kizigi m'avait bobo. J'ai été victime d'une arme de jeu. Ah, on trouve un poker. Oh, comment qu'on a aimé le déboîte. Ah, voilà, voilà, je sens qu'il y a des comptes à rendre. Des comptes à angle, ouais. Des angles à rendre, des comptes à rendre sur les angles. Ouais, j'ai un peu fourché, ouais. Ok. Qu'est-ce que c'est cette carcasse? Ah, c'est un. D'accord. Il y a une quête là? Ouais, en fait j'ai trouvé un. En fait, il y avait un coffre, et je lui dis ouais, et ben non, c'était même pas des armes, c'était un transpondeur. Et maintenant, quand on équipe le. Si on joue avec le véhicule Lancer, on trouve. Ça nous indique des caches d'armes d'Atlas. Oh! J'ai cru. De ce que j'en ai. J'ai un peu lu dans les astuces et conseils du jeu là, quand il y a les chargements, etc. Les armes Atlas, apparemment, elles sont un niveau un peu au-dessus des autres en termes de marque. Ouais, bah faut qu'on se retrouve un véhicule. On aurait un véhicule. On aurait couru. Je pourrais dans le film tu Dune. T'as ramené un copain là. Deux copains même. Parmi les. Je peux pas avoir ramené quoi que ce soit, je suis pas invisible. Non, mais sont si, je te jure, t'es passé devant et voilà. Au secours. Non, ils ont spawn derrière moi, tu veux dire. Ouais. Il y a un fauteuil face au paysage avec des bières. Il y a un mec là qui s'installait bien. Est-ce moi. Est-ce que quelqu'un pourrait s'il vous... Non, c'est bon, mais... je suis debout. On est loin, très loin. Il y avait un truc, mais il y a rien. Transport non, mais on oui, a mais... dit... Tombe pas, le sage. Je suis en train de me faire manger pour des sangliers sauvages. J'arrive, je vais mettre en colère, je vais... Voilà. Ah, voilà, là. Tiens, toi t'es mort. Là, y'en a un qui parle derrière, là. On aurait dit un mignon, là. On dirait un gobelin sur un warg. C'est génial. Ouais, un orc, plutôt. Les gobelins sont pas sur les droits. Même pas si c'est jeu de finale. Noyonné fait un carnage. Ouais. Il prend la tête du skag dans la main droite là tu vois et il écrase. Non puis il y a deux fois il externalise tous les organes de l'ennemi. Ouais. Je me souviens d'un. Non, c'est dans la série Game of Thrones où le gars il se fait éclater la cervelle. Oh ah, ça on c'est Oberyn, ouais. Ça m'a laissé une petite marque dans ma tête, tu vois. Maintenant, dans les films où t'as les mecs qui aiment bien mettre leur pouce dans les yeux, j'ai tendance à pas aimer ça du tout. C'est horrible. Ouais. Ouais, c'est. Ouais, c'est dégueulasse. Mais la série est incomparable. Oui, bah oui, cette torture dans le faut aimer, hein, que Daniel Craig, James Bond, là. Il y a un homme de main de la PEG internationale, justement, qui explose les yeux comme ça. Ouais. Ah oui, mais Baron Samedi ou je sais pas quoi. Mmh. Ou non, c'est un autre Monsieur J. Ouais, je crois que c'est ouais, monsieur J. C'est un bras droit. Maintenant de la presse internationale dans les James Bond. Oh bah. C'est quoi ces explosions Il a besoin d'être soigné, le sage. J'ai mis des Nashemans aussi en PLS. Ouais, mais je sais pas, il y a eu une grosse explosion et. Ouais. Ah. Maggie. Ça, c'est pas comme Dwarf Fortress où on peut. Non, Dwarf Fortress, qu'est-ce que je raconte. Dwarf. Non. Galactic. Deep Rock Galactic, merci. On peut se mettre à deux pour sauver quelqu'un. Maggie.
Non, non, après, si c'est des mères tout seuls et s'ils ont envie que leur copain crève, ils laissent crever. Ouais, dur. Attends, mais. Ah, mais ça, j'ai pas dit, mais il y a deux semaines quand j'ai joué, j'ai. Oui. Je sais pas pourquoi, j'ai pris une invasion souterraine. Et t'as pas le roi qui sortait à ce moment-là en mode tiens, je vais visiter les souterrains. Oh merde! Il s'est fait bouffer par un alligator, c'est con! Énorme! Oh la vache! Du coup, j'ai plus le roi, mais j'ai eu. Je crois que j'ai eu une quinzaine de nains qui sont morts parce que c'est un carnage. Ah oui, je pense bien. Délire. Faut que je reprenne la partie parce que là, beaucoup de trucs à faire. Mais c'est trop bien. Mais par contre, du coup, je sais pas comment je vais faire parce qu'il y a plus de droit dans la faction. Waouh, il y a un mecha. Je vois un coffre tout seul là-bas. Est-ce que ça sent le piège? Ah, mais j'ai trouvé Ajax. Le boss qu'on doit tuer. Oh. Ah non, il y a des boucliers ici. Ah non, c'est pas des boucliers. C'est des... Si, c'est des boucliers. Ouais, mais si je pouvais avoir un coup de main, surtout. Oh, les boucliers. Oui, on est... Sérieux. Oh, vas-y, on ramasse tout. Ouais. La merde. Vite, allons aider petit ça, parce que là on est éparpillé, c'est une grande zone et. Ouais, surtout moi je vais à l'objectif. Hein. Tu sais, moi, comme tu disais, les DLC en vrai ils commencent à me saouler, donc je trace aux objectifs. Oh. Putain, mais le mec, je me mets en. J'utilise mon pouvoir, je me régène à fond. Il me tire une fois dessus, il m'enlève tous mes PV, il m'en reste 10 quoi. Mais il a l'air attention aux annihilateurs là. Oh là là. Je suis à terre. Ah. Je suis en colère. Je vais mourir d'ailleurs. Voilà, je suis à terre. J'arrive. Voilà, un de moins. T'en dois une. Rapport du général Alfonso Knox à la mire. Et puis, ah bah, il m'a repoussé cet enfoiré. Et pendant que nous on se bat, le sage il a filé récupérer l'écho que je cherchais à récupérer. Alors que c'est pas nous aider quand même, hein. Tu bosses avec l'ennemi, le sage? Non, non, je me fais allumer par lui, oui. Alors, je m'attendrai parce que le boss est sur nous là. Oh, je suis dans la mise. Ah, c'est bon. C'est bon, on l'a eu. Qu'est-ce qu'il a droppé? Il a droppé un snipe, non, un fusil d'assaut, 34. Ouais, il est un peu mieux. Parfait pour botter le cul d'Hector. Regardez. Ça j'aime bien la référence, c'est sympa. Teste là l'arme mayonnaise si jamais te va. Je suis en train de la tester, ouais. Par contre c'est niveau 28. Non non, c'est pas ça. Ouais, faut regarder un peu parce que des fois c'est t'as des genre quand tu tires comme ça sans viser. Mais c'est pas ça que je voulais pas récupérer l'arme. C'est normal, on va dire. Et quand tu zoomes, des fois t'as des trucs différents qui se passent. Mais regardez. Le sage, si tu refonces dans l'ennemi, je peux plus rien pour toi. Hein. Oui, je suis navré. Il m'a encastré au sol. Ça fait alors, un peu plus de catch. Psycho va mourir, attention. Je vais mourir. Bah ouais, mais je venais de relever et là je pouvais plus. Là, et j'étais beaucoup occupé. Non, c'est moi qui joue mal, désolé. Pourquoi ils ont invité les. Les McMarior. Non, comment ça s'appelle déjà? Oh, j'ai oublié le nom. Les gaffettes. J'ai oublié le nom de ces robots là. Ça c'est pas les Terminators, c'est les. Robocop. Non. Non, c'est dans 40K. Ah, je sais plus. Ah, j'ai oublié le nom. Bref, c'est pas grave. C'est les gros mechas. Des Space Marines. Des Space Marines, ouais. Ouais, non, mais c'est Space Marines, mais ils ont les. L'unité. Ah oui. Putain, ça me revient pas. J'ai l'image en tête, mais je me souviens plus le nom. Oh, ça craint. Ça va me trotter toute la journée, cette affaire. T'inquiète pas, on a compris de quoi tu voulais parler. On met en pause, tu lances le jeu, tu regardes comment il s'appelle, et ensuite tu reviens. Vous êtes méchant. Ouais, sinon je. Non, mais je peux le faire, hein. Dans un coin. Je rappelle que même dans mon chat, vous pouvez interroger Wise Bouboute. Salut, c'est Bonks. Comment tu vas?
Bonjour, Banks. Bonjour. Bonjour, bonjour. Non, oui, mais non. Un Dreadnought. C'est Banks pour le moral. Un Dreadnought. C'est bon, Banks. Ah, c'est bon. On va faire ça. Ça va être drôle. J'ai entendu quelque chose, c'est normal. Petit ça. Seb est parti à franchir le mur du son. Mode sirène qui trace dans le désert. Si vous voyez une tempête de désert, du genre un mur de sable qui arrive vers vous, c'est le résidu du départ de fou de Petit Seb en sprint. Je vais choisir un véhicule, le sage. D'accord, Léoné. J'ai choisi. Arrange la bagnole. Tu as une couleur de prédilection? Je sais que t'aimes bien le rouge, mais jaune, ça irait bien avec le rose de ces messieurs. Jaune. Eh ben, on prend jaune. Je grimpe. Oh, ça c'est joli ça. Mais dommage, t'as raté. C'est la mission, il faut le faire en plus. Faut arriver à faire la boucle. Oh, sérieux? J'ai pas dit. Ah oui, faut y aller avec le turbo. Avec le boost. Il faut le foutre. Ah putain, salope meuble. Attends, mais je m'en occupe. Fais la pirouette, cacahuète. Mais non. Ah bah là, on peut plus là. Parce que bon, le sage. Eh bah alors, on recommence. Attends. C'est surtout que j'ai ma touche qui fonctionne plus. Non, mais arrêtez de faire la boucle. Il faut qu'on défonce les mobs parce que là, on... D'accord, défonçons les mobs. Ah oui, Nash est dans la... Faut sauver Nash. Aïe. Oui, aïe. C'est bon, je suis dans la voiture, atomise-les. Ok, laisse-moi monter dans la voiture, recule le sage, attention, on va mourir. J'ai de les déglinguer, mais... Merci. Saloperie. C'est une mêlée de rugby, là. Et ils sont plus collants que des morpions, ceux-là. Là, faudrait dégager un petit peu de la plateforme, parce que je veux... s'il vous plaît. T'inquiète pas, oui, je suis là. Oui, là, je t'ai pas fait. Ouf. C'est bon, réussi. Putain, bien sûr, faut qu'elle descende de l'autre côté. Merci. Mais non, mais il m'a encore ramassé une arme à la con, là, putain. Oui, ça t'a remplacé l'arme quand t'as appuyé sur E longtemps. Oh. C'est un mât de métal et de chair. Ah oui, elle arrête pas de bouger, là. C'est sûr, c'est pour moi. Oui, mais je ramasse. J'ai plus de chargeur de réserve. Non, mais attends, je vais regarder le spectacle de Petit Seb. Alors, regardez, il veut nous faire un petit spectacle, Petit Seb. Regardez. Mm-hmm. Regardez. Et si, t'as réussi. Bravo. J'ai fini dans le mur à la fin, mais j'ai bouclé la boucle. Bon. Oui. Mais s'il faut qu'on fasse ça là, les buts, les cachets. C'est pour moi. Bon. Petit Seb, je vais devoir me téléporter dans ton véhicule. Vas-y. Téléportation. Ah oui, je te suis, Nash. Waouh! Ah, c'est bon, je suis téléporté. En revanche, je suis coincé. Ah! C'est ça la bloque. Folie. Et là, Petit Seb. Tiens. Oui. Ah, d'accord. Tu bascules. Ah non, c'est pour le lanceur. Putain, c'est pas le bon véhicule. Oula. Attends. Si je sors, je te dévie dans le. Oula, mais il y a une caisse là. Bon gros sniper de merde. Allez hop, je ramasse, je suis censé avant. Mais pourquoi il tire le personnage? Tu peux descendre. C'est fait. Ah, ah, c'est super. Péter les mines. Ma vie. Voilà. Tu peux remonter si tu veux. Hop. Dans le tank. C'est des gros coquillages, hein. Oui. Ça,
Ce sont des very big horn. C'est des grosses moules, hein. C'est la grosse moule à celle-là, hein. Ouais. Ah, il y en a qui sentent le petit coraya, hein, au petit matin. Oh non. Oh non, j'ai l'odeur, laisse tomber. C'est gozeux. Il y a projection d'un écran sur ton véhicule, petit Seb, comment oui, fais-tu? Oui, oui, je sais pas. C'est la quête. C'est fou, ça. Bah, c'est un scanner. Ah, d'accord. La quête de quoi, pour les caches? Oui. D'accord. Aïe, quel est l'imbécile qui me colle pendant que je cherche aussi? Le sage, franchement, tu pourrais prendre les commandes. Hein. Ah bon? Mieux. Hein. C'est pas petit Seb cherche du pétrole. Il va poser son derrick et il vivra des rentes pour sa retraite. C'est bao. Ah! Malheureux! Il est fou. C'est Uber, hein. Il est fou. C'était calculé. C'est revenu. Oula. Waouh. Ah mais c'est là. De là, sur la crevasse. Faut descendre. Mais je sais pas. Il faut creuser à coup de roquette. Oh mais joué. Oula. Oula. Berk. Waouh. Non mais ils vont se calmer, voilà, c'est bon. Ouh, ouais, mais il y a du monde qui arrive. Yeah, faut les dégommer les drifters. Oh, ah. C'est renversant. Aïe, oh bah. Oh. Nous avons un problème. Ouah, wow, comment qu'on a sétilisé le drifter. Ah. Oui. Comme il s'est envolé. Ah ouais, non mais. Attention, il arrive. Ah bah non, il reste bloqué là-haut. Bon, mais attendez, je vais essayer d'en faire une autre là, parce que là, je comprends pas celle-ci. Ah. Je vais voir comment ça marche. Mm-hmm. Oh. Une petite planche sur le tremplin. Ah, c'est bien. J'ai reçu des munitions. Oh, je suis par terre. Au secours. Au secours. Bah. Oh. J'arrive, je suis à côté. Ah bah, heureusement. Parce que moi, je suis loin de vous, là. Je suis en train de regarder au pied du tremblant. J'espère qu'ils font pas faire de grosses attaques qui vont me repousser, surtout. Des choses qui sont cachées. Ah, c'est moi qui ai mal maintenant. Et je retombe par terre. Bah, je suis tombé aussi. Vas-y, on s'acharne dessus, le premier qui relève l'autre. Ah bah, non. Ils tirent pas bien haut leur truc, quand même. J'ai fait le looping, mais... Ah, c'est moi qui l'ai tué. Je l'ai tué avec mon petit flingue. Merci. Bon, ils ont donné du... Merci pour les GG, c'est bon. Comment vas-tu, tout ça? Ouais, je sais pas, je peux demander. Ouais, je sais plus où j'en suis, hein. C'est trop prenant. Tu l'as déjà fait pour Darland, c'est bon? Je comprends aussi comment ça marche. Ah. En fait, t'as le cercle qui se réduit quand tu te rapproches, enfin, je pense. Ah ouais, je vois ça. Et bon, je suis dans le véhicule. Et là, je te dis, moi, celui que je trouve, le premier que je le trouve là. Je suis installé où? Je vois pas ma tête. Ici, t'es dans la tourelle. Ouais, mais t'as le cercle rouge aussi. Ouais, mais le problème, c'est que sorti de là où je suis, là, c'est là où j'ai le cercle rouge le plus petit pour moi. Ah, on peut monter à 3 dans le véhicule. C'est quoi, ce bug? Mais qu'est-ce que je lâche en fait? Je largue des mines. Ah! Non, ici. Ah. Regarde. Tu peux descendre ici. Oui, je regarde. Il faut me donner une pelle si tu veux que je creuse. Je suis où là? Parce que là, il y a du sable et des rochers.
Voilà, je marque l'endroit avec les tours. Ouais, du coup, faire quoi? Non. C'est un peu naze comme quête, non? Oui. Pas l'idée est sympa, mais... La pratique, c'est pas ça, quoi. Et c'est quoi ce truc là-bas? C'est moi qui viens de jeter des mines. Ah, ok. Merde. Mais d'accord, c'est ça, j'ai rebondi sur le véhicule. Et t'as le conducteur, les mines, la mitrailleuse. T'as trois places dans ce jeu. J'ai trouvé. Ça y est, c'est là. C'était sous le véhicule, fallait appuyer sur E sur le truc qui dépassait. En fait, il y avait un coffre qui dépassait sous la voiture. Et... Bah, alors là, par contre, tu bosses. Attends, je vais te décoincer, moi. Recule du psycho là, parce que sinon, bon, je c'est pas grave. Allez. Ouais. Si je tape dans le coffre, ça va le faire. Ah, merci. Joli. Alors, il y a des snipers pas mal. Bah, il y a un sniper de merde surtout. 400. Ah, ouais, c'est à chier ça. Et surtout pour classe du chasseur. Ce que ça c'est pour moi. Oh, ça c'est pour moi. Ok, c'est une quête où on attends, ramasse attends, des trucs. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai vu que c'était plus flingueur. Ah, ça va peut-être m'intéresser. Non, je prends le. Ouais, je t'avais vu qu'il était bien. Allez. Attends, parce que améliorer ce que j'avais déjà depuis tellement longtemps. Quelle idée de planquer ça au beau milieu du désert. La malle est très classe. Oh, impitoyable. Ah, super, j'ai. On dirait un cercueil de vampire, de mon... ouais. Mode ouais, de glace. Rouge. Cool. Ah, ça c'est quoi, super. Attention, il y a une, il y a un match driller, je sais pas quoi là. Une arachnide du désert, ouais. Le problème, c'est qu'avec ce cul là, c'est pas terrible pour se défendre. T'as trouvé, si ça. Bah non, je me suis fait tomber dessus par les saloperies donc. Il va me mettre un coup de latte, je vais avoir très mal. Oui. Donc du coup sur le sol, ça se voit qu'il y a un coffre. Ouais mais je pense que tu l'as détecté seulement. C'est un truc de nul, les lance-roquettes. Ah. Sur ma position, il y en a un qui est pas loin. Ouais, j'essaie de tirer dessus tout à l'heure mais... Je vais bientôt mourir moi aussi. Je veux sauver DJ Psycho, mais... Dans le coin là, il y a quelque Mickey. Chose. Bouge tes fesses. Ah oui. Ah mais Nash il s'est barré, il nous a laissé dans la merde en fait. Bah non, je cherche la, je fais le. Et oui. Et depuis tout à l'heure, on dit attention, on a des docteurs qui sont réapparus, on les a surmatchés. Ah bah j'en ai vu aucun. Je suis barré. Ah pardon, désolé. Je suis à terre. Oh. Allez, descends plus vite. Putain, ça, 3 siècles pour descendre. Merci. Mais moi j'aimerais bien le voir aussi parce que le premier je l'ai pas vu. Prends le véhicule. Il devrait y avoir un système de récompense pour avoir sauvé quelqu'un. Une partie de notre argent va dans la poche du joueur qui nous a sauvés. Putain, mais il y a que des trucs de chasseurs, c'est abusé. C'est abusé. Bon, 2 snipers. Hein. J'arrive avec un. Est-ce que je vous le donne dans le mi. Où est passée ma voiture? Quelqu'un fait apparaître ma voiture quelque part? Bah, sûrement. Oui. Je vais avoir un coup de poing en tapant sur les fesses. Enfin, sur le ventre. Bon, c'est des snipers nuls, hein, pour formation. 300 dégâts. Ouais, mais et... tu les récupères, tu les vendras. Ouais. Et 283, par contre. Mais non, c'est pas cette voiture là. Non! Ah putain, c'est donc c'est vous qui avez appelé ma bagnole. Voilà, reprends-la. Mais oui, mais du coup, c'est pas la bonne. Ouais, tout ça parce qu'il aime pas la couleur.
Non, c'est pas ça, c'est le modèle de voiture, c'est pas celle-là pour trouver les. Ah oui, mais c'est les caches. De toute façon, on peut remonter à 4 sur l'autre. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Pourquoi j'ai mon bouclier qui est diminué? Hop, je vais vous chercher. Mais. Alors, on a le droit de réduction, Nayone. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai perdu 200 de P bouclier. C'est attends, pas à cause de l'environnement de là où tu te trouves qui est nocif pour ton bouclier. Ce psycho. Je suis désolé comme un crétin. Là, c'est pour le transport. Que je vise à bord. Ouais, bon, bon. Il y a des jolies choses sur la planète. Je vais de l'autre côté, comme ça, petit sébaratitier là-bas. Ouais, mais il y a des moments où je comprends pas, hein, vraiment. Il y a des moments où le cercle, il arrête de rétrécir et il fait que grossir. Et c'était le cas tout à l'heure. Et après, au bout d'un moment, tu trouves. Mmh. C'est un peu mal foutu, je trouve. Ah, il y en a un là-bas. Non, c'est des cons, déjà la con. C'est des 1. Voilà. Il y en a un pas loin là. Ah, attends, je vais descendre. Je vais le chercher à la main. Est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est ça. Mais joué, Nayone. Tu l'as vu. Ouais, c'est bon, j'en ai eu un aussi. Ok. Ça, c'est pour moi. Alors, lance-croquette. Je vais voir les lance-croquettes ou c'est une option? Attends, fusil un peu. Bon, je peux voir le. Putain. Je vais voir le truc. Moi, j'ai eu plein de modes de classe. Bon, je vais les prendre tous parce que ça me. J'arrive pas à les prendre. J'arrive pas à vous aller. Hop. Hop. Oh, le truc de ciblage. On a mis de la. Ah, il y a un drifter. En fait, on envoie une onde de choc sous le véhicule. Quand je clique. Ah, c'est par là. Là-bas, je le vois là. On n'aura plus de poursuivant. Aïe. Oui, c'était plein de Skagalfa ici. Je m'y attendais pas. T'as fait une onde de choc le truc. Viens par là, viens, je te fais une onde de choc. Toujours prêt. Attends, est-ce que je vais te récupérer dans la caisse? Bah non, attends, on tue les mobs d'abord. Ok. Ok, sinon je vous laisse ce truc. Bah après, moi j'ai regardé. Ils ont 300 de dégâts de moins que le mien, alors. Tenez, j'ai récupéré des choses aussi. Mm-hmm. Ah oui, je vais. Alors attendez, je vais les disposer de façon intelligente car le nid porte conseil. Alors, ça c'est pour le furieux. Moi j'ai récupéré que de la mouise. Ah. Ensuite. Le furieux. Ça c'est pour le soldat. Mickey monsieur. Ah, t'as ramassé déjà. Ok. Et ça c'est pour le chasseur. Alors. Chasseur, j'en avais deux. Merci. Oh, il est pas mal dans ce roquette. J'ai un truc de soldat là. T'as un mode juste devant toi, Nainé. Pour toi. Ok, attends, je fais un. Bon, soldat, le sage, ça c'est pour toi. 1700. Ah, merci. Attendez, j'arrive. J'ai mis un fusil par terre, si vous voulez. Mm-hmm. Est-ce que je peux donner? Ah oui, Mickey. Elle est où, ma voiture? Ah, je crois qu'elle s'est fait exploser, non? Bande de bourrin.
J'étais Ib. Ouais. Ça va pas changer mon truc. Ouais. Je mets un véhicule, une arme par terre, si vous n'en voulez pas. Ah merde, bon, j'ai vu plus sûr. Moi, j'en voulais pas. Le reste, c'est de la merde. Ouais, je vais être encore meilleur avec le pistolet, c'est... C'est fou, quand même. J'aime bien les caractéristiques de l'arme. Dis bonjour. Tu parles de salutation, trop mortel. Ce que je trouve fou, c'est que avec les autres jeux, il y a tellement plus de contenu en termes d'armes. C'est, c'est incroyable. Ah ouais. Vraiment. Vas-y, le sage, si tu veux, tu peux te servir. Il y en a beaucoup plus. Oui, mais... Les générations sont plus nombreuses. Ah. Et c'est à foison, il y en a partout. Mais... J'ai perdu mon bouclier. Bah pareil, mon bouclier il a changé de capacité, j'ai pas compris. Ah moi il a carrément disparu. J'ai plus le bouclier, c'est vrai, depuis que je joue ce matin. Waouh, il y en a des choses. Je peux tout prendre. Ça sent le sage qui n'avait pas verrouillé son bouclier, qui l'a vendu. Ah pétard. Bah c'est bizarre parce que... Vérifie parce que... Ouais. Ouais, je vais verrouiller mes autres trucs. Ah bah jamais. Je te confirme, t'as pas de bouclier dans ton inventaire là. Ouais, c'est bizarre. Pour attends, je t'en donne un qui est pas mal, le sage. J'en ai sur moi. Je dois... Parce que tu es pourri. Bon, attends, je suis celui qui a... Rien. Oui, il veut bien, vous plaît, merci. Oui, je suis gros bizarre. Voilà, je t'ai donné un truc, tu peux récupérer. Oui. Prenez les armes si vous voulez, hein, si ça vous intéresse, sinon je les vends. Bah vends-les. Ouais, de toute façon, on en est, je pense que... Ah, plus grand-chose d'intéressant, dedans. Eh, tu as des armes de qualité, Nayone, je regarde, moi. Oui, j'ai... Vas-y. Donc ça t'a pris, ça t'a pas pris. Il y a des armes de qualité, des noyaux. Allez, munitions pour tout le monde. Bah, j'avais un... Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? J'avais une mitrailleuse qui était bien. Pourquoi ça a été changé? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, je me demande s'il n'y a pas un bug là. Ils sont pas victimes d'un bug. J'ai bien inversé les armes, mais non, ça m'a débarrassé de l'arme que je voulais garder. Oh, fais chier. Ouais. Tant pis. Bah, un bug du jeu, ça arrive. Allez, zou. Nous montons à bord. Youp, Seb. Je suis parti en faire la reconnaissance. Ouais, c'est ça. Pierre du goût. Ah, bonne nuit, hein. Oui, c'est ça. Ah, il y a ma voiture, voilà, tu... Non, moi, dans mes mésaventures vie réelle, en fait, je vais prendre la route la nuit prochaine. Avec mon adorable frangine et deux Nancy, on va partir sur Strasbourg pour aller chercher mon chenapan de neveu qui est saisonnier. À mais pied. Qui, au niveau des transports à l'échelle nationale, c'est un peu le zoo. Son avion atterrit à Strasbourg à minuit. Donc, ce qui veut dire que je vais arriver à Nancy pour aller me coucher vers 2h du mat. Ça va piquer. Ouais. En fait, tout ce qu'il vous dit pas, c'est que tout ce qu'il veut, c'est manger de la saucisse de Strasbourg. Et des bretzels. Stand. Ouais. Et des flambées. Des tartes flambées. Oui, flammes cachées. Des flammes. Flammes cuches. Alsaciens. Bah le temps que je vous attende, il y a plein de copains qui sont arrivés. Oh. Des amis ou des... Hop. Non mais pousse pas pendant que je suis en train de sniper, putain. Oh, le chauffard du dimanche. Vous étiez sur la voie réservée au véhicule.
Moi j'y vais en chargeant. Je me mets dans les devant là. Toi t'as plus de bouclier. Toi, oh bah merde bouclier. Toi t'as plus de bouclier. Il est en PLS le Nayunu. Et il était en dessous. Il était. Alors je vais avoir le tige. Mais pourquoi ça recharge maintenant? Ça n'a pas de sens. Voilà, j'ai tiré sur le gars. Ça n'a aucun sens. Mais ah. Putain, j'ai spammé ma touche, il voulait pas te raid. Ouf. Il y a des pièces qui m'ont giclé. Il y en a des choses ici. Vous devriez voir le docteur Z et lui parler dans gorge. Oh non, retour. C'est vrai qu'il y avait ces pubs là. Oh, ça a coupé. Oh non, quelle tristesse. Le code que vous avez est pour l'entrée de service. Et on n'a pas son discours. Prudence. C'est où qu'on souscrit pour en gorge? Hein? C'est la pub. Ça, tu as compris, Nanonet. J'ai des munitions, je suis dessus. Bien vu, bien vu. Ah, je suis tombé. Oh, gaz de billet. Gaz de billet. Je me disais, putain, j'ai un bouclier de merde d'un coup. En relevant Nayonet, Quoi? J'ai ramassé un bouclier. Putain, Nayonet, tu l'as tué. Ah merde, excuse-moi, j'arrive. J'arrive. Moi je suis en colère, je peux te sauver. C'est... Merci. Alors, un super coffre. Vas-y, nage. À main nue. Ouais. je te les laisse, Nayonet. Ouais, vas-y. De la tuite. Tu arraches la colonne avec les dents. Oh. Oh, mais c'est cette image. Ignoble. C'est ignoble, ouais. Exactement. J'ai dû vous manquer de respect dans une autre vie. Et j'imagine que vous prenez votre revanche en m'observant perdre pied ici. J'ai décollé votre briefing de mission, écrit au marqueur magique sur un gâteau sec. Il dit... Les chats, c'est il y a les filles là qui avec leurs lames. J'ai travaillé toute ma vie pour ce poste. Je vous adresse donc ce message écho pour vous informer que je compte conduire. Vous avez tué le boss là, c'est bon? Mon propre chef. Quel boss? J'ai tué. Il devait y en avoir une élite dans le tas. Là-bas, non? Non, je pense que vous l'avez tué parce que ça a validé une quête. Ah non, Hélicon, oui, il. Hey, elle est où, connasse? La vilaine. Il y a Hélicon, elle est là! Et voilà, c'était sûr. En plein milieu du combat. Qu'est-ce qui t'arrive, Nainé? C'est rien, parce que pour pas de moi, je me fuis. Je me suis planqué. Et par contre, elle se trompe nulle, hein, parce que deux balles dedans, ouais. Chargeur. Elle a fondu la madame. Ah, on a un gros problème. Je propose de mettre en colère. T'inquiète pas, on va trouver une grosse solution. Voilà. Mais c'est génial ma tourelle avec tous les bonus. Je dis oui. Oh, ce bouclier. Donc là il nous reste juste un écho à trouver et on aura fini toutes les quêtes secondaires qu'on avait. Alors la question c'est, est-ce que on va rendre toutes les quêtes secondaires et qu'on revient ou pas? Oui, bah ça fait un grand voyage en voiture quoi. Ouais, autant le faire qu'une seule fois et après on revient là. Non parce que moi ce que je me... Enfin... L'écho 5. Mais l'écho 5 il est juste en face de moi là, il faut juste couper les mobs. Ah bah, alors. Oui, les mobs d'abord. Enfin oui, je veux dire, voilà.
Oui, non, mais je parlais pas de faire l'aller-retour tout de suite, mais dès qu'on avait retrouvé l'écho. Mais parce que je sais plus s'il y a d'autres quêtes ou pas. Je crois pas, mais s'il y en a d'autres, en fait, on va devoir se retaper un aller-retour de toute façon. Je me planque parce que j'ai cru que j'étais pour mettre en colère. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Oh, une arme à la poubelle. Aucun dégât au soldat chimiste. Bah, comment ça se fait? Tous les nabots de butin ont été tués. Saleté de nabot. Ok. Ouais, je sais pas ce que c'est que ce succès. Un homme à terre. Bouge pas, Nayane, j'arrive. Oh, c'est un peu tard. Ah non, c'est bon, super. Ah, mais je suis fou. Nombreux, là. Je peux plus rien ramasser. Attends, on se planque. Parce que les trucs assis. Fait... Ah, tu perds pas bon, un point de vie. Qui perd sa vie? Ouais, parce que c'est un brutal. Donc il est beaucoup plus résistant. Brutal chimiste. Oh là. Je fais aucun dégât avec la colère. Ah, il est victoire. J'ai mis les balles de foot dans la tête depuis dessus de la caisse. Ah la vache. Oh, il était costaud l'enfoiré. Oui. Bah, en fait, avec des armes acides ça marche pas, mais quand t'as fait un truc électrique avec le petit Seb, ça l'a bien diminué. C'est un peu Noël? Il y en a un qui est bugué en dessous là. Je sais que j'avais dit que je vous enverrais plus de rapports, espèce de. Ma colère est en acidulée. Vous voudriez savoir que l'ex-agent Athéna a travaillé. Ça n'a fait aucun dégât au bus. Qui a vaincu notre commandant Albinus Boulimic. Vous vous souvenez d'Athéna, non? C'est elle qui avait supprimé le vice-président de Dahl pour nous à l'époque. Maintenant que j'y pense, c'était avant votre naissance. Et c'est hallucinant. Dragon Sky, Dragon de Lorraine. Oh purée de Dieu. Ah, je me suis mis dans une neuf. C'était quoi le bug là? Ouais, oui, le trou du cul. Pardon. Et je démissionne. À la fin de cette mission, je quitte la lance écarlate. Au risque d'être condamné à mort. Sûrement moi, mais peut-être. Les cadres qui changent vos couches seraient pas foutus de trouver leur clé de vaisseau dans leur poche. Alors je crois pas que vous me poursuivrez de l'autre côté de Grofik 4. Peut-être. Bref, à jamais, Guignol. Il est salé, Knox. Bonjour Dragon de Lorraine, j'espère que tu vas bien. Salut Dragon Sky. Bonjour Dragon. Bonjour Dragon. Eto Dragon. C'est un électrique brutal, j'aime pas ça. C'est génial. Oh putain, c'est qui a fait le headshot? C'est pas moi, je suis à la machine en train de vendre. Il y a un type qui vole. Laisser les armes à l'arrière. Il y a un ennemi, je me fais tirer dessus. Il est en hauteur, il est en hauteur. Ah bon? Ah oui, bien vu, putain, je l'avais pas vu. Bien joué. Il y a un coffre à récupérer et des distributeurs pas loin. Ah, c'est intéressant. Le coffre est nul à chier, bien évidemment. C'est quoi, c'est armes blanches, nul. Est-ce que ça nous étonne? J'ai encore de la place? Non. Mais j'espère bien qu'il y a encore de la place. Il y a plein de trucs à shipper. Oh! Bouclier pour chasseur. C'est super! Bouclier pour chasseur? Oui, de mon côté. Ah, et un récupérateur mob de classe pour chasseur. C'est la malle que je viens d'ouvrir. Elle était cachée à l'angle. Bah écoute, j'arrive. Ah bah tu peux. Peut causer des explosions. Ah? C'est que des modes nuls que j'ai. Oui, il faut venir à côté de moi. Oui, non, mais je suis en train de vendre. Moi aussi, je vais devoir vendre des choses. L'appât du gain. C'est ça. Merci. Ah oui, c'est bien ça. C'est bien. Ouais, il faut que je régénère ma vie, alors je te prends une tourelle qui va me donner de la vie. Mmh.
Alors ça, je peux... Impossible. Comment ça, je l'ai verrouillé, lui? Du coup, on va les rendre les quêtes. Je sais pas. C'est comme vous voulez. En plus, je pense que c'est... Je crois que c'est la dernière map, d'ailleurs. Bah oui, Crimson Armory. Ouais, ça doit être la dernière map. Autant peut-être les rendre, histoire de peut-être gagner un level. Après, on pourrait y aller. Pour toi, peut-être, hein, mais pour les autres, je suis pas... Ah, petit Seb. T'en as plus que moi de l'XP, là. Je suis pas loin derrière toi, mais... T'as plus... Ouais, non, mais c'est... Nayone, il vient juste de monter de niveau, donc il est pas pris de level. Oui, bon... Pourquoi celui-là, il est considéré comme... Ah! Il fait 3000 de dégâts! Oh, putain! D'accord. Non, oh, vas-y, on va finir, et puis voilà. Parce que je pense... Parce qu'en plus, il y a... Il y a certaines quêtes, c'est même pas en ville, c'est... Il y a le truc de Moxie, il y a le truc du trolley... Ah ouais, c'est chiant. Ouais, bah... Il va falloir qu'on aille quasiment de l'autre côté de la map. Donc vous me dites quand vous êtes prêt, moi je peux lancer. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt non plus. J'ai tout. Alors, j'ai dit vous me dites quand vous êtes prêt, pas quand vous êtes prêt. Moi je suis prêt. Hein. Bon lurk, c'est bon. Merci d'être passé. J'assouvis juste ma soif de... T'essayes de trouver les deux mobs qui sont bloqués quelque part. Ouais. J'ai vu un, il avait sa tête qui sortait du sol, j'ai tiré dessus, il a disparu. Une marmotte, le truc. C'était où, c'était où C'était ici, là. La 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 la, je crois pouvoir... Ah bah tiens, regarde, voilà, bah, tiens, il a recommencé, il est là, coucou. T'es, il se barre, t'as vu quand je te tiens dessus? Mais moi, je le vois pas. Ah ouais, wow. Dragon de Lorraine nous dit qu'il a une nouvelle expérience de jeu. Ah, bah on en a tué un, hein, apparemment. Il joue à Zelda Ocarina of Time, mais dans une version modifiée au hasard. Et ce serait la folie. Attends, je tire là. Mes balles apparaissent là-bas. Hein? Je pense qu'on est dans une distorsion de l'espace-temps ici. Oui. Ouais. C'est bon, t'es prêt, Nayone? Nous sommes prêts. Côté des bah moi du coup je vais racheter des munitions parce que je viens de faire le pont. Alors dans ce cas là c'est quoi là, on s'approche du grand final? Normalement c'est le grand final. Ouais. Évidemment, c'est pas une version française, mais américaine, nous dit Dragon de Lorraine. Eh bien... America. Mais moi, il y a une version de Ocarina of Time que je veux qu'il ressorte, là. Je veux qu'il le mette, là, sur le Switch Online, là, parce que j'aimerais trop la faire. C'est la version Master Quest. Ah, mais pourquoi donc? C'est quoi En fait, c'est une version hard du jeu. Oh. C'est-à-dire que des mobs que tu trouves que au 4e ou 5e donjon, tu les trouves déjà dès le 2e. Et c'est des mobs qui, bon, en fait, ils te mettent un coup de shot. Ouf. Toi, t'aimes souffrir, non? Ah, mais je l'ai déjà fait cette version-là. Et à 100%. Ah wow. Et récidive en plus. Et il aime ça. Monsieur travaille pour l'éducation Je l'avais, c'était sur quoi? Oh pétard! Oh, ça... Scud! Un scud, ouais. Un scud, ouais. Tomahawk. Scud du samedi matin. Le sage déchaîné. C'est ça. Je pense qu'on va se cotiser, on va lui acheter une laisse, une pelière. Et... Ça parle. Ah, mais non, c'est vrai, c'est déjà tout dans la cave, ça c'est bon. Donc, si vous voyez bien, il n'y a pas de sortie, c'est vraiment la map finale. C'est la map finale.
À nous, la planète Polar. Ah, qu'une scène dit. Alors, avez-vous regardé 100 minutes d'ouverture hier soir? Pas du tout. Non, tout ce que j'ai vu qu'il y avait... Qu'il y non, parce que moi, je veux pas voir cette connerie et je veux même pas en parler, en fait. Oui, c'est ça. Moi-même, je boycotte le... les jeux. C'est vrai, en plus. Oups. Parlons plutôt du General Pinox. Oh. Oups. Lequel on va taper. Toutes mes excuses. J'ai appuyé sur le seul bouton rouge qu'il fallait pas appuyer. Pourtant. Et au cas où, tu t'appelles Groot? C'est ça. Et bien... Ah bah une tête de mort, comme j'avais dit. Je suis en train de baigner, mais pas de casse. Ça c'est un Terminator, ça, par contre. Enfin, pas Terminator des films, mais Terminator Space Marine. Tu fais quoi, là, il veut se tuer? Bon, vous tombez franchement mal. J'en ai marre de poireauter. J'espérais bien être mort avant votre arrivée. J'en peux plus. Voilà ce que je vous propose. Si vous me battez, ce qui est très probable, vous devez faire sauter toute cette foutue planète. Tuer tout le monde. Ça serait mieux comme ça. Ah oui, il n'aime pas les lundis. Il est très... Il y a peu de monde qui aime les lundis. Oh, ça va, il est où ? Niveau 39, le monsieur. Hein. Oh, bah, je lance une roquette, il bouge. Je me fais plaisir. Alors, un piaf de feu, ça marche pas. Il faut peut-être de l'acide. On va changer ça. Attends, ouais, moi je vais changer ça aussi. Acide. Tour aussi. C'est parti! Corrosive Day! Ah, parce que c'est le point faible. Oui. Il doit appuyer sur le cigare. Peut-être pour ça qu'il n'en a pas mis. Il veut qu'on fasse. Ça lui tombera sa tête. Ah, il est pas tout seul! Ah bon? Non! Des annihilateurs, ouais. Ah, attends, je vais t'aider, je vais continuer tous les deux sur le boss et je vais dénacher avec les annihilateurs. Ouais, partager les trucs. On va se sur le même, ça ira plus vite. Je veux dire littéralement que je vais me faire défoncer là. Oui. Ah putain, j'ai pas eu le temps de la grenade, merde. Sauvé, merci. Attends, tu sais, tu pas le. Je suis là, s'il te plaît. Niki. Hop là. Je te l'ai achevé un peu plus. Merci, merci. Je fais une pause inventaire. Ah, tourne-toi, le général, tourne-toi. Passe aux grenades. Ça, j'y en peux, c'est bien. Ça, j'y vis sa meilleure vie, tout va bien. Je crois, ouais. Il est en plein bad. Ah, attention, nouveau mob. Ah, ouais, des mobs. Hop. Mais pourquoi il est bloqué, mon personnage? Faites gaffe, j'ai pas plus de munitions moi. Mais j'ai Ragnarok qui a récupéré tous ses PV. Ah oui, il a repris sa vie, ce con. C'est un gros vilain. C'est un gros vilain. Ouais, mais chaque fois qu'il récupère ses PV, on le tue plus vite. J'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression aussi. Ah mais non, c'est des soldats infirmiers là. Tu veux crever toi, le soldat d'infirmier, merde. C'est les infirmiers qui m'ont soigné. Non mais on n'a pas de munitions là les gars, faut arrêter. Hein. Faut arrêter le délire des infirmiers. Hein. Nous on soigne pas hein, monsieur Knox là. Hein.
Je viens toi pour. Il est dur à battre en fait. Il fait pas beaucoup de dégâts, mais il est chiant. Ouais, lance-roquette de feu, je fais 0 dégâts. J'ai un lance-roquette acide. Piu 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 piu, il est là. Comment tu les aimes? Piu piu piu. Pour le toit, le général, que je te mette une roquette bien dans la visée de protège. Moi, je fais 0 dégâts même avec mon piaf de l'espace qui fait de l'acide. Oh le piaf de l'espace méga kappa. Le général Noxy. 0, 0. Comment ça, 0? Je fais 0 dégâts. Tu viens de voir tout le temps. Même s'il a été régène, c'est Non, mais il saute au moment où je fais la pure. Annihilateur brutal en approche. Ouais. En fait, quand on le descend en dessous d'un quart de PV, il y a les annihilateurs. En dessous de la moitié, t'as les soigneurs. Et en dessous du quart, bah, annihilateur brutal. Aïe 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 aïe. Il y a bientôt plus de vie. Ah putain, ça va se finir en sniper. Mais je veux bien quand même un peu d'aide sur le brutal. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Oui, mais l'annihilateur, il n'y a pas eu. On s'occupe du brutal. Attends, le sage, on s'occupera du loot après. Enfoiré, le sage. C'est pas le moment de looter, mais non. Voilà, on va peut-être pour rien. Ça prendra à looter avant que le combat se finisse. Yes. Bien joué. Oh, bah, bon, le loot qui est tombé dans le décor. Ah non, c'est dégueulasse, ça. Il y a un trou? Ah oui. C'est inadmissible. C'est honteux. C'est une arme ultime, un fusil et sniper de ouf. Eh, c'est que je lui donne là. Grenade de crotte, je prends. C'est un fusil, un pistolet automatique ou pas? Ouais, si je maintiens, ça tire, mais bon. Écoute, moi je veux bien voir. Je veux bien comparer avec celui que j'ai. Capacité du chargeur plus 15. Ouais, seulement 129 de dégâts. Ah, mais moi c'est. Ouf, ouais, alors, la question, est-ce qu'on peut rendre les quêtes? Le mec fait 2 fois 60. Ouais. Attends, on a pas fini. Hein. Non, c'est la crotte. Je le prends, je le prends. Ouais. Puis c'est tout ce qu'on a eu, quoi. Un pistolet de merde, un pistolet à billes. Non, mais t'inquiète, il faut qu'on aille. Il y avait des marchands au début là. Ouais, alors, Marc, comment... tu vas me dire. Moi j'ai rien looté, je suis toujours vide. Ouais, pareil. Rien eu de. Bah, on se. Pareil. Explorons un peu la zone. C'est par là, les copains. Vers l'autre côté, ok, j'arrive. Le sage, tu retournes au début. Oui. Bon, bah je oui, regarde. Au revoir. Comme ça on va pouvoir piquer le loot quand tant que le sage est sympa là. Ma vie. De toute façon il n'y en a pas besoin, il y en a tellement pris. Et qui se souvient du code? Quel code? Non mais le sage tu vas où en fait? C'est vraiment demi-tour qu'il faut faire. Bah oui mais moi je veux la machine qui vend des choses. Mais t'es plein? Le jeune sien orange. Je ne sais plus. Non, je suis pas à jour dans mes armes déjà. Parce que j'ai du matos sur moi et je m'en sers pas. Il faut que je fasse le point de mon côté. Comment tu sais pour le code? Il a déjà fait. Il est dans la quête. Faut vérifier avec la quête. Avec le général Cox hors service, je n'ai plus besoin de me planquer. En attendant le sage qui ne se trouve pas renfermé. Surplombe l'intérieur de l'entrepôt. L'interface informatique pour le détonateur doit s'y trouver. Terminé. Mmh.
Tout se loot. Avant de placer le détonateur, sortez les munitions pour garantir leur destruction. C'est le truc qui fait rager le joueur, ça. Joueur vénal. Ah, tous les joueurs doivent être présents pour continuer. Oui. Sympa la tête de l'ancien carnage. Excusez-moi. Ah, là, le jeu, il est gentil avec lui. Oui, très loin derrière toi. Je cours. Et plus vite, hein. On va s'entraîner plus que ça. Vous aviez vu que là où on a battu le général Nox, il y avait un accès en sous-sol. Bah oui, c'était le chemin. Ah d'accord. C'est par là qu'on est arrivé. Ah bon? Oui. Je m'en souviens même plus. Tout est allé si vite. Non, c'est pas en face de toi, c'est sur ta droite, le sage. Ah. Mais qui? Oh la vache, ce bâtiment qu'on voyait de loin. Ben, j'ai envie de dire, on voit que ça sur la planète. Ouh, c'est un champ de force ou... Ouf. Ah, tu peux y aller, t'inquiète pas. Tu vas être désintégré, mais... C'est ça. C'était un champ de contrôle. Ouah, ces grands escaliers. Ouh. Et quand tous les gens sont présents, ça va se fermer et on va avoir toutes les portes rouges laser qui vont s'ouvrir. 1, 2, 3, 4. Moi je propose qu'on tire sur le sage le temps qu'il paye. J'esquiverai vos balles façon Matrix. Attention les mines. Ça pique. Ça pique. Oh, qui c'est ça? C'est ton PC, ça. Vous aurez placé le détonateur, le compte à rebours commencera. Je vous conseille de voler autant d'armes que possible avant qu'il atteigne zéro. Ah bon. Oh pétard. Disons que c'est votre récompense. Terminé. J'espère que vous êtes prêts, hein. Ouais. Il va se passer. J'ai mis l'objectif. Compte à rebours lancé, voler le butin, boum. YOLO, ouvrez les coffres. Ils sont du mal au cadeau. Ah, on ramasse tout sans réfléchir. Ouais, on prend tout là. Ouais. Vous remplissez vos poches. Remplissez vos poches en question. De ce côté-là, nous on a tout pillé. J'arrive pas. Mais pourquoi la loot box elle... Quoi? C'est quoi ce délire? Il y a des trucs face. J'ai appuyé sur un bouton. Une bouton. C'est quoi des armes couleur? Il vous reste 2 minutes, les gars. Je suis dans une zone où on pouvait pas passer. Remplissez vos poches! 8-2 minutes. Ah, bah, elle a la gentillesse de nous le dire par radio. C'est une délicate, attention. Des armes ici. En fait, il y en a partout. C'est pour moi. Ah, je suis plein. Jette le loup blanc. On est concentré là, hein. On ramasse un action 2. Ça, c'est des armes blanches, on s'en fout. Regardez-moi ce truc. Ouais, il me reste combien de places? Il me reste 8 places. Et je commence à regarder pour pas looter n'importe quoi parce que. Hommes de merde. Super, je m'y attendais pas. C'est le casse du siècle. 1 minute 10, moins d'une minute 10. C'est un peu Noël. C'est un peu Noël. Bien, Noël avant Noël. On a des armes ici. Minute et vous êtes une tache rouge sur le sable. Vite. Ah, par contre, voir là. On se barre où? Je sais pas. Oh merde, je suis déjà plein. C'est super. Je ramasse au hasard. On fait quoi ensuite avant que ça pète? On sort. Oh bah putain, il y avait des armes ici aussi. Ça y est, je suis plein. Le ravitaillement est toujours bienvenu. On se barre où en fait? Là où je suis. Super. Je m'y attendais pas. Ok, bah vite, Nash. Viens Nash. Terminé. C'est trop tard Nash, faut se tirer. 20 secondes.
C'est où? 15 secondes. Nous, petit Seb et moi. Le sage, je sais pas où il est passé. 10 secondes. Regardez-vous, moi je me casse. Le sage, il est descendu. Il s'est trompé de chemin. 4, 3, 2. Au revoir, le sage. Petite fumée. Adieu. Au secours. Après, Kay. Je suis devenu une petite fumée. Ah, ben ils ont pas lésimé sur les moyens. Ah oui, c'est fini comme ça, genre, c'est... Ok. Je délai. Bon, bah, je présume qu'on retrouve Athéna dans le 2. C'est quoi cette musique à la Battlestar Galactica? Jeu, moi je vois la carte. J'ai sauté le générique. Parce que le sage va nous montrer tout le générique. Ça nous laisse le temps de préparer un petit café. Je reviens. Oh, super, ça fait du bien d'être en vacances. Je veux dire que j'ai rien à faire. Merci pour les GG. Je suis en vacances, mais j'ai quand même des choses à faire. T'es en vacances depuis 2 mois. Non, ça fait pas un mois. Hein. Bonjour Christella. Christella nous salue tous. Bonjour Christella, et bisous. Salut Christella, comment vas-tu? J'ai souvent un allumé, il est parti se faire un café. Oui. C'est pas... Il est pas mal poli. Bah si, mais on veut pas le faire, pas le dire en plein stream. Oui. Oups. Aujourd'hui, les Nanchiens font leur vilain. Ouais. D'ailleurs, tu penseras à remettre une muselière, s'il te plaît. Pourquoi aujourd'hui, le sage? C'est pas tout le temps, toi. Il y a des jours comme ça. Le sage, comme tout. Tiens bien ces percussions. Tiens, tiens, tiens. Oula! Putain, ça m'a niqué les oreilles. Et je débataille. L'ange n'est pas détruit. Oh mon dieu. Je vais retourner, je vais récupérer du loot. Je suis armé, tu m'étonnes. Je vais déjà vendre tout le loot de merde que j'ai ramassé. Parce qu'il faut pas se le rester que de la merde, putain. J'avoue, c'est pas folichon. J'ai rien vu de... J'ai pas vu d'armes exotiques, j'ai pas... Bah, moi j'avais pas mal d'armes bleues et violettes, mais toutes les stats sont vers le bas. J'ai eu une arme exotique, elle était plus pourrie que le reste. C'est quoi, juste par curiosité? C'était un pompe. Non, moi j'ai la chance d'avoir un lance-roquette qui fait 3000 points de dégâts. Et en y'a plus... pas un pistopompe dans vos affaires? Un pistopompe? Jamais. Ah, j'ai récupéré des modes de classe par contre, ça je voulais poser. Même les boucliers, même le bouclier que j'ai trouvé, il est naze. Ah, je suis déception, mais puissance 10 000. C'est naze, je vais tout vendre. C'est un peu rien. Noël. J'ai ramassé que 3 modes de classe au hasard, c'est 3 modes de classe pour la CIA. Fini le DLC, je pense qu'on est pratiquement à la fin là, on a... Ouais, hein. Ah non, c'est le DLC est fini là, on rend les quêtes normalement, ouais, c'est bon. Ouais, donc on a terminé... Chebao.
Ouais. C'est un peu Noël. Super. Je m'y attends. Bon, j'ai tout vendu avec vous. Qui partage des offres. Des infos. Le seul, je veux pas dire, hein, t'as acheté un mode de classe pour soldat. Ah, Mickey. Bonjour Tomo, j'espère que tu vas bien Tomo. Bonjour Tomo. Salut Tomo. Alors c'est mon jour de chance. Oh, c'est scandaleux. Ouh, attends, il y a d'autres choses. J'ai des choses pour la sirène. Ça je prends. Pour le chasseur aussi. Pour le furieux Survie, aussi. Regardez-moi ça. Ah, ça c'est pour moi. Vraiment. Bon, faut vraiment que je fasse le tri dans les armes indiennes. Me revoilà. Ouais. Donc, je donne un sniper à qui veut. Attends, vous êtes parti où? Ouah, wow, toutes les armes qu'il y a par terre. Oui, tu choisis. Tu vas être posé. Ok, moi ouais, je vais faire pareil. Tu choisis dans ce que tu veux. Même, c'est ça tout même. Tu te fais plagier. La foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Ça, c'est Il se prend pour Zeus. Ouais. Ça fait peur et y est peur. Mais c'est un pompe ça. Oh. Ouais. Mistat. J'ai. C'est génial. Je teste. Et ce que j'ai en double, je pense que. Oh, il me refait de la vie. Ça. Je prends une tourelle. Il me refaut de la vie. Ah, c'est pour moi. Non mais c'est fou, il y a que naze. Ah bah non, ma tourelle est déjà disparue. Pour moi. C'est beau. Bon, on va bien dans l'ensemble, Tomo. Merci. Toi, tu vas bien, c'est cool. Bonjour Tomo. C'est cool, c'est cool. Et oui, à Tomo. Le bon copain Tomo. Tac petit petit pitou, tac petit pitou. Ça je m'en fous, ça je m'en fous. Celui-ci. Pareil. Celui-là. Ah, dommage. Mais il est moins bon. Allez hop. Attends, j'ai pas ramassé. Quelqu'un veut des armes et... Non, mais je ramasse rien. Quelqu'un veut des armes méridiennes ou pas? Bah quoi, je veux bien voir ce qu'on a. Ok, alors qu'est-ce qui a été intéressant? Donc... Bah, t'as des trucs pour le furieux. Mais t'as 15 fois le même fusil. Mais c'est quoi ça? Ouais, parce que je m'amusais à garder tous les skins différents, mais au bout d'un moment, ça commence à encombrer l'inventaire. Putain, mais c'est... C'est pas vrai. Ouais. C'est vrai. Ça fait beaucoup d'objets. Ouais. Et bah... Moi j'aime bien mes nouveaux jeux. Ah bah... Bonjour Torota. Bonjour Torota. Message de Torota 77. Bonjour le sage et bonjour à tous. Sur ta bannière, c'est écrit Just Chatting au lieu de Borderlands. Sinon, pour répondre à ta question, ça va mieux car on m'a retiré la sonde. Maintenant, c'est le repos avant reprise des directs. Ah, c'est bien Torota qui nous dit qu'il était opéré, qu'on lui a retiré sa sonde, qui maintenant est en plein repos. Est sorti du repos, il reprendra ses directs et pourra participer au jeu avec nous. C'est cool. Bon repos, Torota. Oui, merci, j'ai dû rester en just chatting, j'ai dû oublier de mettre la catégorie du jeu. Oui, pardon, j'ai... Ah oui, c'est vrai, j'ai eu l'ancien titre, il a pas validé le titre. Tu as raison. Ouais. Attends, normalement j'ai... Aujourd'hui, j'ai une boule dans la bouche, c'était le titre. Ouf. N'importe quoi. Fini, oui. Oh, les brigands. Au vu de ce qu'il y a comme arme, je pense que ça intéresse vraiment personne. Si, je suis en train de faire le tour. En fait, Mayonnaise est en train de faire. Non, mais attends, ça, je l'avais laissé pour Mayonnaise, justement. Laquelle? Au niveau du
celle qui est là, là. C'est une iridienne, mais c'est un pompe. Ah, bien. Ah oui, elle est bien. Merci. Donc je réponds, je m'intéresse pas. Il y a ça, des ça. Oui, donc du coup, Borderlands 1, il y a une suite là ou pas? Enfin, je veux dire, il y a du contenu dans l'heure qui suit ou on a fini le jeu pour de bon? Non, 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 il y a encore un DLC entier. Ah, mais on l'a rassuré. Oui, il y a encore un DLC. Mais on en a fait. Enfin, il y en a. On en a fait 3, c'est le 3ème là qu'on finit, il y en a 4. D'accord. Ah, il y en a 4! C'est bon. Ah, je crois qu'on avait fini. Si tu bah, reviens, non, non, non. J'ai jeté un mode le classe sirène juste là, je sais pas s'il est bien. Dégâts incendia 48, compétence étincelle plus 3, compétence physique plus 3 et compétence diva plus 4. Ah y'a pas de bouclier, c'est de la merde. Allez hop, c'est vendu. Attends, hop. Ah mais je veux vrai que... Ça y est, vous vendez les choses. Attends, hop. Donc. Ok bah on a plus qu'à ramasser au pif et vendre tout. Bah moi c'est bon, j'ai vendu tout ce que j'avais parce que c'était de la merde donc Comme c'est pareil hein. Bon bah on allez, je vous laisse ramasser. Bon. Oui on va vendre, allez zo. Sauf s'il y a des iridiennes, des armes iridiennes que j'avais pas vues mais... Non je crois pas, non. J'en doute, pas d'iridiennes. Il me semble que je les avais déjà piquées. Ouais, il avait passé ah, bah, un Nox. L'aspirateur iridien. L'aspirateur. Eh, je suis une sirène, hein. Oh non. Oh là là. J'ai rien entendu. Non, ça y est, j'ai compris la blague. Mais il n'y avait pas de blague. La sirène, dans le lore de Borderlands, elle pousse de l'iridium. Ah ouais, elle pompe de l'iridien, ça c'est sûr. Hein. On a compris. Mon dieu. Je suis ici en fait. Ouais, tu viens à une heure, on va jouer de notre côté, je crois. On va retourner sur Minecraft, c'est plus innocent que ça. Hein. Oh, tu sais. C'est moins facile avec des cubes, mais ça passe. Oh, oh là. Eh, faut arrêter hein, les blagues de bouffe comme ça. Le la sage. Et la prochaine construction de Nas sur Minecraft, le god géant. La sirène n'était pas la reine des milieux hackés. J'ai en train de boire mon café, t'es fou. qu'est-ce que je voulais dire en live. Ah oui. Voilà, c'était ça. Ta 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 ta. De l'autre côté, les copains. C'est bizarre. Et l'annulateur, tu te calmes. Il y a des soldats aussi. Il y a des ennemis encore. Ouais. Pourquoi il y a Marcus en gros là-haut? Oh. Ah, parce que je crois qu'il s'approprie le dépôt, je crois, un truc comme ça. Ouais, stratégiquement, tu m'étonnes, c'est... Mais... Ils sont nombreux. J'ai failli mettre une tête au sage. Ouais. Ouais, mais là, dans le tunnel, tu peux plus passer. Les portes sont verrouillées. Aïe! On doit faire attraper à l'intérieur. Non mais sérieux, il y a un trou là, je peux tirer dessus. Ah bah on n'est pas dans Warhammer 22 hein. Vous voulez sérieusement vous battre les gars? Nous avons ordre de tirer si vous approchez. Oh j'ai encore du café dans les poumons. Mais justement c'est le moment de se barrer. En plus le chaise, le sage est presque mort. Déjà. Je crois qu'on peut dépouiller son cadavre s'il meurt. Viens là. Viens là que je te fouille. Malheureusement je dirais que non. Non c'est moi genre... Au secours. Il m'a trompé de fait. J'arrive. Oui. Allez, je te relève et ensuite je vais nous TP. Duel. Ce café dans les poumons, c'est pas agréable. Hein. Non, 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 non. Mais en même temps, quelle idée de dire tes conneries.
Hey, on rappelle qui c'est qui a commencé, Nash. Je vais pas faire des codes géants sur Minecraft, ça va pas. Si, ouais, je vais faire un phallus géant, je vais appeler la tour du plaisir. Oh. Ah, il y a Nayone qui est dans un menu, je ne peux pas lancer. Au pied de la tour est indiqué où aussi grimper au septième maison ciel. Claude, ah, que je dédierai au sage. C'est bon, c'est de lancer le vent. Aïe aïe aïe. Ce sera la première maison close où ce sera journée porte ouverte tous les jours de l'année. Non. Entrée libre. C'est ça. Mais vous m'intéressez pas, monsieur le. Fait que passer. De toute façon, je suis en mode rush total. Rush total, quoi. Va mourir dans la cible. Bah, tue autant de gens que tu veux tant qu'on est sur la map. C'est de l'XP bonus. De toute façon, on n'est pas encore au niveau max, hein. Oh, c'est des guillemets qui m'a tué avec des effets collatéraux, donc je peux pas me venger sur un ennemi, y'a plus personne, je suis mourreux. Ouais. Qui me tire dessus? Ouais. Y'a personne pour te relever, le sage? Non, je suis isolé. Pidu. On va prendre le on a un petit peu prise avec des troupes ennemies, un peu énervé. Ouf, ça m'a coûté 200 000 dollars. Ah non, un second souffle. Ah, y'a mon cousin. Ah, c'est un flingue. Y'a quoi? Mon cousin qui salue Torota et Tomouf dans le chat. Mon arme elle surcharge petit à petit en fait. Les armes méridiennes, c'est ça. Vous avez proposé de jouer à 7 Days et le jeu est officiellement sorti en version 1. Il était en Early Access? Il y a quelques jours, ouais. Ça fait une semaine qu'il est sorti en accès anticipé. Non, c'était dans cette semaine-là, là. Ça fait pas une semaine. C'était officiel. Oh, une arme méridienne! Ah, c'est rare, ça. Le Globe Gun? Ouais, mais c'est nul. Je crois que je l'ai pas, celle-ci. Non, je crois pas. Tu me pompes pas mon arme. Mais... Je suis mal, là. Je peux pas venir te sauver. Voilà, la station qui s'entremêle, c'est incroyable. Il est mal, tu pompes pas assez bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez, là, tu vas t'apprendre la pastille dans la tête, c'est pas possible ça, il veut pas mourir. Ah merci, c'est gentil. Ah merci. Merci beaucoup, c'est qui m'a sauvé? Que je fasse un petit solidarité entre Nancy, hein, pardi. Voilà. Vite, maintenant on se casse. C'est chacun pour soi, maintenant on fonce. C'est ça les Nancy, hein. Oh le brigand. C'est bon, on l'a eu. Viens, on se prend. Oh non! Oui! En voyage annulé, un homme à terre. Ah non, c'est bon, je suis pas par terre. Eh ben, ça défouraillait là. Ah, c'était cool. Temps qu'on se téléporte. Je fasse la poussière. Pardon. On va aller rendre la quête à Moxie tant qu'on passe par là. Ah, la Miss, la Mama à scooter. C'est quoi cette arme? Y a truc. Scooter. Et on a des nouvelles de scooter. Ils nous fabriquaient nos véhicules. Bah, faut demander à Mokhtar qu'il en a fait. Zozo Beda. Je devrais pas dire des trucs comme ça. Mais tu l'as dit sur le stream. Hein. Jo Beda. Je crois qu'on soit comme un Minecraft, ça marche aussi. Hey, suivez-moi. Mais bon, moi je suis monté. Le sage, faut que tu te téléportes dans le véhicule du petit Seb. Ah. Oh là là, oh là là, oh là oh là. Oh là, c'est là. Joli, c'est oh là. Ça a failli se passer, mais. Ouais. Attendez, pardon. C'est presque réussi. Je fais le plein de munitions parce qu'il m'en manque. C'est parti. Oui, je me téléporte. Ah oui, non, faut choisir le véhicule. Mitrailleur. Non, faut pas choisir le véhicule, faut sauter dans le coin. Ah bah merde, on a pas le temps de s'amuser. Bon, on n'a pas le temps de s'amuser.
Salut mon chou. Bonjour Maxi. Salut la miss. Bonjour madame. Ouais, vous avez pris un bonnet de plus, madame. Oh. Oh. Oh, c'est un stream de mec, hein, attention. C'est ça. Donc, tu vois, il y avait encore d'autres quêtes là, fait chier. Ah, oh, merde. Scheiße. Non, après ça a l'air d'être dans la zone, donc... Je vais éclater le crâne à celui-là. C'est des boîtes de conserve. C'est de la bouffe. Je vais la bouffe, je prends le sachet lyophilisé. Je vais les finir à la main. Oula. De la volonté. La guerre. Ça défoule. Oh. Explosion. Mais bien joué, Nayone. Oh, il y en a un autre. Oh, sa tête, t'as vu sa tête? C'est horrible. Oui. Oh. Elle est appropriée. C'est sûr, il te chat. Mais... Ah oui, non, il est... Encore vu les Goliaths dans l'épisode suivant. Ouais. Ah ouais, cela, c'est vrai qu'il y a cela, ouais. Vous avez déjà joué au jeu en entier ou pas? Que DLC? Non, il y a que le 1 que j'ai fait en entier. D'accord. Ah bon, y a que le 2 et plus, c'est quoi le que j'ai fait? Visée, moi. Ah ouais, j'ai un gros problème de visée. Mon flingue, il est précision naze. C'est tout. Le tueur, c'est moi qui l'ai tué, oui, le tueur. Est-ce tout? Est-ce tout, Pido? Tout ce que votre magie peut faire, Saruman. C'est dans quoi ça déjà? Sphère des anneaux. Ah non, mais la précision... C'est Spine et Oden avant qu'il fasse péter le mur. Par où on va? Je sais pas. Une question. Je te laisse conduire. Pourquoi ça s'ouvre pas? Oh, je sais pas. On doit y avoir un levier qui est pas... Non, attends, mais y'a pas de porte en fait. Tire le levier. Je cherche. Oh, ça de l'autre côté. Petit Seb est de l'autre côté. Comment est-il fait? Non, le prochain objectif, il est juste à côté de vous. Hic. Juste à côté, juste à côté. Ah bah dans le descendre, non, faut descendre là. Oh, je t'ai vu, Nayone. Ça s'est presque bien passé. Petit Seb, il est dans la mouise, vite. Je suis dans la mouise. Je prends un raccourci. Et comme j'ai ouvert un coffre, j'ai un truc juste devant moi, je peux rien tuer. Non mais vous occupez pas de moi. Ah bon? Ah bonne bourre alors. Ah c'est là. Ah oui, les véhicules sont là-bas. Même c'est avec ça. Le raccourci, j'ai pas réussi à... Faut sauter de l'autoroute pour tomber dedans, ok. Il y a un coffre. Hey, on y va. Merde, je suis de l'autre côté, quel con. Ah, je suis à bord d'un véhicule. Quelqu'un a besoin de véhiculer? Moi, je suis aussi à bord du véhicule. Bah oui, t'as TP mon véhicule. Maintenant, je suis à pied. Tiens, Nash, tu veux embarquer? Je suis un excellent conducteur. Je te défonce Pépito là. Moi, je me fais le Paris-Dakar. On a DJ Seiko, vas-y, je vais rentrer dedans, bim. Attends, j'ai du mal. Alors, sache que la fois que j'ai vu un clip récemment sur le blog Halo, t'as essayé de faire ça, t'es tombé dans le trou, je te rappelle. Ouch. Je sais pas si tu te rappelles. C'est tellement, on a vécu tellement d'aventures vidéoludiques, on peut mettre du temps avant que ça revienne à mon cerveau. Oh, 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 ça fout la gerbe. Ouais, il y a eu trois véhicules qui sont entrés en collision. C'était fou. T'es enregistré en direct. Et en le marqueur, il est de l'autre côté. Ah bah, c'est bien. Yeah. Hop.
Bon bah j'y vais. Hop. Allons X. Ah. Ah. Ça va, t'as... Non, ça va, t'as bien géré. Bah, y avait un grand espace, donc forcément, j'ai évité la cata. À mon avis, ça doit être sur le pont, non? Ah, ou peut-être non, il est sur le pont, là, en bas. J'y vais. Enfin, je vais leur tirer dessus, le temps que... Ouais, le dernier de nouveau, pas loin de moi. J'ai besoin d'un tireur. D'un artilleur, oui. Oh! Sublime, bien joué. On les a défenestrés. On l'a défoncé. Ah non, c'est pas défenestré. Pas ce matin. Vous êtes dégueulasse. Non, je trouve que ça va, on est calme depuis tout à l'heure. Oh, quel saut! Non, sur le côté. Oh, le drift sur le côté, quoi. Oui. Allez, troisième coup, c'est la bonne. Je tire sur le cadavre. Il rend toutes les... Il fait le boulot, nous on s'amuse. Non, on donne de l'XP. C'est un grand chef. Mais attends, il y avait des ennemis derrière. Mais je vais rejoindre le message parce que j'ai très peur. Bah. Ah, ça passe pas par là, zut. Non, pas tirer sur le gentil DJ Psycho. Non, c'est un méchant qui tire dessus. Bienvenue, squad. Allez, petit chef. Ah, il a retourné le machin, la violence. Allez, petit chef. Allez, petit chef. Allez, petit chef. Stylé les cages en feu suspendues. Ouais. Allez, mais tu dors là, de toute façon, cette nuit, non? Ouais, ah. Dans la plus rouillée. Ouais, on s'en va. Je veux fouiller les containers, il y a des choses par ici. Non, donc, non, mais c'est piste, mais quel con, mais quel con, mais c'est pas vrai. Attends. Nash, t'as laissé Nayone conduire? Oui. Mais ça se passait bien. Ouais, je te rappelle, interdit de conduire depuis le début du jeu. Hein. Non, mais il conduit bien en plus. Il est... Non, mais moi je suis ok pour qu'il conduise, par contre, bon... Pas dans les trous, quoi. Bon. Ah, ouais, Alice, non, c'est pas bien. Je viens de chercher, Nayone, t'inquiète pas. Non, mais je suis tout au fond, je suis en train de tomber à l'infini. Ah bon, t'es bugué? Il a touché le fond, le Nayonosh. Et au fond du fun. Dépêchez-vous de ramasser ce que vous avez besoin. On va bientôt changer de map. Téléportation. Attends. Non, je suis pas prêt. Téléportation. Ah mais c'est Nayone, c'est bon. Vas-y. Oh. Presque. Et vous reprenez l'air de la chanson de U2, là. Bonjour, Max. Elevation, et vous chantez Téléportation. Encore pris un bonnet depuis tout à l'heure. Téléportation. Ça va avec ton bonnet là. Ouais, c'est bon, j'arrête. Comment qu'elle va, Miss Moxie? Non, mais franchement, Moxie, je la vois bien servir des cocktails. Oh la vache, j'ai eu peur pendant un instant. Mais non. On est poli avec la madame. Ah oui, Réglisse. Peut servir le... Oui, on veut pas savoir ce que tu penses, vous savez. Oui, Réglisse. C'est juste qu'il pense. Ah, mais il y avait un tableau. Oui, mais on veut pas l'entendre. Pas dehors, hein. Mais c'est juste un chat, quoi. Bah voilà, oui, nous sert c'est mon chose, chat. C'est Moxie qui est ventriloque. Dis bonjour, Eglise. Ouais. Dis bonjour, Eglise. Bah alors, petit set qui se met à courir sur le... Juste que j'ai dit. Non, mais ce sera clippé, t'en fais pas, Nash. Non. Un jour, il y aura une compilering pour toi. Non. Toutes les choses sales que tu as dites, compilées en 10 minutes. Ça va faire saigner les oreilles de l'auditoire. Les choses sales de Nash. C'est ça. Les féministes vont me tomber dessus. Nous avons des dossiers. Nous avons ces moyens. Les choses qu'il dit que quand il n'est pas en stream. C'est ça. Ou toutes les choses qu'il a crié du regard et c'était indécent. Ah. Les choses qu'il a crié du regard. C'est moi le bonheur.
À plus tard, chérie. J'ai toujours une photo de à côté de moi de toi, le sage, tu sais. Avec avant de dormir, un paquet de mouchoirs à côté. Oh, oh non, oh, non. Oh, c'est immonde. Bon, il est grand temps. Là, on a finalisé les grands temps que je passe parce que je suis vraiment outré par vos conversations. Mouchoir, j'ai fait imprimer le visage du sage dessus. Oh, les horreurs. Il dit qu'il est outré de ce que je dis, mais après il en rajoute. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Oh mon dieu. Je suis outré. Viens avec moi, Nayone. Viens avec moi, Nayone. Ils sont vraiment. Ah, pas sortables. Ah ouais, alors ça c'est clair que je suis insortable. Bon, tu viendras te TP en moi directement. Oh mon dieu. Et il a bien dit en moi, hein, je sens. Lapsus révélateur. Ah bah c'est du propre. Oh, on va faire du sale peut-être plutôt. Enfin, on va arrêter là parce que sinon ça s'arrêtera jamais. Alors si tu vas tout droit à fond, et bah ça va faire la même connerie que moi, petit Sam. Comme ça là. Je suis à moi. Voilà, comme ça. Non. Mais ma thune. Fallait venir avec moi. Voilà, j'ai perdu 2 millions. Merci. 2 800 000. Waouh. Ah non, 286. Ah, tu demanderas à SCS de te renvoyer de l'argent. Petit. Moi, j'ai perdu 413 000. Ouais. Ouais. On pétait la barrière. Waouh. Oui, Marcel. Putain, c'est n'importe quoi. Bon, je descends du véhicule parce que je sentais qu'il y avait un précipice. C'est dans des moments comme ça qu'il faudrait que j'enregistre en fait. Oh la belle bleue. Ah, c'est renversant par ici. Oui. Quoi? Mais c'est passé quoi? Je suis mort. Sérieux? Où ça? Comment je suis mort? J'ai pas compris. Oula, pour moi t'es dans le ciel, Nash. Ah oui, tu as été téléporté à la haie. Il m'a roulé dessus. Oh, je l'ai explosé. Vous êtes morts tous les deux, j'ai récupéré votre véhicule. Non, je suis avec toi, Nayone. Ouf. Ah non, c'est le monsieur qui. Non, t'es derrière. Ah oui, je suis derrière. Mon dieu, au secours. Viens là. Est-ce que tu m'entends murmurer dans ton oreille? Attends, ah oui, c'est l'heure de dire des choses sales. Je m'en vais, je m'éloigne, je préfère me suicider plutôt que. Oh! Mais t'es vraiment parti en plus! J'en ai marre, je me suicide, j'en ai marre. Ah, il y a de la pub pour scooter. Ce fin de DLC part en couille. Oui, c'est le cas de le dire. 266 000 dollars! Ouais, j'ai plus 3 millions 5. Je pense que le sage et petit Seb ont perdu toute leur communauté féminine. Pour ça, il aurait fallu en avoir, tu vois. Oh. Moi, on n'entend pas le son, donc j'ai rien entendu. Ah, Christella, elle est là. Mais Christella, elle est pire que nous, donc elle reste. Non. Oh. Alors, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Je veux pas de problème avec la patronne, hein. Oh mon dieu. Ah, bah, je suis mort, ça m'apprendra d'être la merde. Il est vilain, les gars. Papa. Et moi, je cours comme un abruti au milieu des mobs, sans attaquer, sans rien faire. Salut tout le monde. C'est intéressant. On a dit. Oh, il me fait rouler dessus. Ah non, c'est le mien, il est mieux. Bon, bah, non. Ah, déjà, il va aller. Alors, Je suis là avec nos bêtises, ils sont 20. Oh, il reste encore 2 heures de jeu. C'est chaque bao. J'ai Saiko et s'est enfoncé la tête dans le distributeur. Bah oui, je suis en train de. Oh mon dieu. J'ai vraiment. Oula, non dedans. C'est indécent. Ah. J'aurais pas dire, mais le distributeur de soins, Nayone, il est à ton honneur. Hein. Il y a 2 trucs pour la casse furieux. 3 même. Bon, il y a un petit truc. Tu des mobs, ça me donne 0 d'XP. Camelot pour la sirène. Et moi, soldat, j'ai des trucs, mais c'est de la camelot aussi. Dommage. Mmh, 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 mmh.
Ouais, mais c'est niveau 34, si ça va encore attendre. Ouais, c'est très. C'est très prout-prout, hein. Ouais. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah bon, j'ai tant d'armes que ça. Bon, bah, vendez-les. Ouais, c'est bon. J'ai, c'est quoi, dans un menu? Vie. Yvan. Oui, exactement. Il y a beaucoup de Kaamelott, mais ça fait des petits sous. Je ne suis plus dans un menu. Aïe! T-Bone Junction! Les soldats chimistes de la lance résistent très bien aux dégâts corrosifs. Ahmed. J'aime bien faire fondre les ennemis. Mais il maîtrise la chimie. D'accord. Wouah! Quand t'arrêtes le boost, c'est insane. On se retourne dans le choc. Bah, c'est quoi ce bug? Voilà, on simultanément on a commandé le même véhicule et du coup moi j'ai été éjecté or. C'était très étrange. Éjecté or et moi éjecté argent. Mm-hmm. Arrange la bagnole! Ah, je voulais mettre en face du véhicule, j'ai loupé. Ah, vas-y, saute dans le véhicule parce que tu peux être capable de me pousser. Comment ça? Tu montes pas dans le véhicule? Bah, je le vois pas, moi j'ai un bug. Non plus, je le vois pas. Ah, je me disais aussi. Allez en route. Oula, bon, cette voix de allez en route. T'es monté? Ah non, j'ai pas le temps, t'es allé trop vite. Voilà, c'est bon. Ouais, on a une nouvelle quête. Ah. Sur écoute. Trouver le levier, activer la nacelle, bouchard posé. Tiens, toujours des armes. Ah bah c'est bien, on peut dire bonjour à Scooter. Attends, je vais dire bonjour à Scooter. Je ne serais pas arrivé sans toi. Prenez ça. Le level up. Effectivement, le level up. Bah ça fait plaisir de le voir. Eh, fais gaffe où tu mets les pieds. Chance de perforer les boucliers 100%. Les boucliers ennemis ne servent à rien. Allez, rentre, je vais pas te mordre. Enfin, je crois pas. Il en a de l'humour. Il dit, tiens, c'est de sa maman. Vous attendez quoi? Écoutez, allez, alors, dites-moi tout. C'est vrai qu'elle tient pas autre chose de sa mère, parce que... Il est où, Marcus, à T-Bone? Je sais pas. C'est ma position. Ah, il est là, Rastakapak et Poupon. Rastakapak et Poupon. Bonjour, les garçons. Alors, dites-moi tout. Vous attendez quoi? Allez. Ah, spécial fusil à pompe. Dommage, je n'ai pas ma spécialité. Vous avez terminé la mission. Bienvenue à toi. Voilà, une os de quête à faire. Il a fait quoi? Il a changé son stock d'art. Ah, c'est un poste émetteur. Fais comme chez toi, regarde un peu partout. A plus alors. Non, il a rien changé. J'aime bien Scooter. Fais comme chez toi, regarde un peu partout. Oh. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un accès au toit sur les bâtiments, on peut y avoir des choses intéressantes. Potentiellement. Ah bah, je vois que quelqu'un a déjà écumé les lieux. De toute façon, vu là où on en est, le sage, enfin, le loot, à part le revendre, ça sert. Oui, il n'y a plus grand intérêt, ouais. On bouge la souris pour tourner. Oui. Avec une mallette, c'est plus facile. C'est facile. Je vais à la non, je suis pas TP moi. Vas-y TP. Et non pas de péter, sans rien de péter. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? La téléportation, pardi. J'ai eu un effet. Attends. Bug. J'ai eu un. Ah, attends, je vérifie juste un truc. Bah, fais donc. Attends, parce que ça me. Non, c'est bon. Vite, foutons le camp avant que ce soit l'enfer. Oh là là. Pourquoi j'avance plus? Ah.
Il y a quelqu'un qui est à pied, non? Ah, c'est moi, le sage, oui, mais... je suis en train de faire le magasin. Non mais sérieux, il me dit maintenant qu'il y a des nouvelles quêtes alors qu'on vient d'en partir. C'est le jeu de l'autoroute, hein. Le jeu de l'autoroute... Vilain robot. J'ai plus de boost. C'est interdit, le boost. Hey, on y va. Je roule sans boost depuis tout à l'heure, il n'y a pas de mob alors. Assurez-vous de bien... Bah là, le boost, je comprends pas, ça, tant qu'on reste droit, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais c'est quand on l'arrête. Quand il s'arrête. Bah, il s'est arrêté et puis il a. Il s'est arrêté. Oui, comme tu restais droit. Si t'es bien, bien droit, que tu bouges pas du tout, ouais. Mais en fait, si tu l'arrêtes à un moment, ou s'il s'arrête tout seul parce que t'arrives à terme, t'es dans un virage ou quoi que ce soit, ton véhicule il part. Hein. Je sais pas en quoi il part, mais il part. Faut même être en ligne droite quoi. Quand tu conduis quoi. C'est là à faire le bug. Deep Phantoms. Et on est toujours pas arrivé, faut qu'on continue. Encore de la route à faire. Oh là là, oh là là. Waouh, m'a fait peur. C'est Néoné qui pilote, hein, je précise. Accroche-toi à ta culotte. Waouh, oui, non mais alors, forcément. J'ai freiné. Je l'amant. Aïe, mais qu'est-ce que vous faites? Mais. Bah j'essaie d'avancer tout droit, mais il y a un mec qui arrive pas à se mettre devant alors. Mets un coup de pouce, Néoné, rentre-leur dedans, tu vois. Et voilà, on est tombé avec mes conneries. Mais oui, mais parce qu'il n'y a pas de route après. Son bout sur le côté, j'ai vu, c'est trop drôle. Ah non, mais la voiture se retourne plus, je suis dégoûté. Ah, bonjour Askar Kapak. Bah oui, on va bien, merci, et toi? Salut Askar Kapak. Là, je crois qu'on peut y aller, Nayon. Il y a une boîte. Oui. Attends, mais c'est pas... Ah non, bah, c'est pour faire demi-tour, ça. On retourne sur le pont, David. On retourne sur le pont. Oui, mais c'est... Il faut passer par le pont, là. Que j'ai la place dans la terre. Oui. Bonne nuit. On espère que tu vas bien aussi, Askar Kapak. Toi, on est peinard. À des fois, il y a tout va. On dit des choses sales. Donc c'est bien. Non. Surtout le sage. Le sage, ouais, il est coupable. Si c'est dans un menu. Tiens, ouais, je vais la garder, celle-là. Il dit ces trucs. Vas-y. Oh là là, ça parle beaucoup de fruits, de légumes, c'est incroyable. Concombre, gourgette et tout instrument long et dur. Oh putain, ouais. Il aime bien se mettre les radis dans les oreilles aussi. Pour peu que ça me donne des vergetures. Bon. Après, il y en a un, il aime bien se mettre le sage en lui, mais bon, c'est un autre problème. Alors, avec en présence de mon avocat. Veuillez agréer nos pensées les plus fruitées. Et salutations. Tu fais ça en présence d'un légume, quoi. Ah, l'ingénieur de la lance qui m'allume, c'est scandaleux. Je vais être jaloux, arrête. Je vais te regarder, si on était deux. Trop fort. Le bignolo. Il m'a lancé un foxtrot, le gars. Ah oui, bien la tourelle. Ouf. Je refais le plein d'énergie et de munitions. Oh non, on va se reprendre les wargs de combat alors. Bah, toi si tu veux, moi je me contente de courir. Ah, mais je cours pas aussi vite. T'es gros robot. Oh, crève le skag. Qu'est-ce que tu veux, c'est l'habitude de fuir les pervers, ça m'a pris à courir vite. Eh, c'est pas parce que je suis avec toi qu'il faut dire ça. Ah putain, j'ai plus de batterie sur le clavier. Alerte. Je peux plus jouer. Bah, C'est branché. Ah, Askar Kapak qui dit oui, très bien. Il fait meilleur en ce moment, il fait moins chaud. Oui, on respire. Pourvu que ça dure. Ouais, il devait faire plein soleil aujourd'hui, puis au final, on a des nuages, donc il fait. Ah non, moi, il fait flotte chez moi, je suis content. J'aurais bien aimé, moi aussi. Nous, je crois qu'on aura beau toute la semaine. Oh, j'ai trouvé un passage secret. Le mercure va s'affoler en partie sur la France, là ça va chauffer la semaine qui arrive, je crois savoir. Ouais, ouais un peu. Ils ont prévu 35. L'été, hein. Je crois même que je vais être assujetti à des orages. Faudrait que je fasse gaffe, moi. En fin de semaine, moi.
Là, on a encore eu un patelin vers chez moi où il y a eu un éboulement de malade. Il y a... C'est presque... presque un mot qui a fait encore disparaître. Mmh. Hey, arrange non, ta bagnole. Moi, le dernier rodage, il y a eu des inondations. Il y a des, quartiers qui sont, verrouillés. Oh là là. C'est bah, t'es revenu du coup. Ouais, je suis à bord. Oh, mais pas chez moi. Moi, je suis sur la colline à côté. Tout va bien. Non, mais là, mais pourquoi t'as fait demi-tour? T'as ramené tout le monde? Hein? Ah, bah, j'ai fait la quête et je suis revenu. T'as raté le trou. Ça, il est pas doué dans ce nage. Tu viens ou pas? Je suis téléporté. Si, je viens. Mais, attends, mais il est où le chemin là? Il est là, là. Ah oui, c'est bon. Ouf. C'est bon, j'ai vu. Les magasins ont des nouveaux stocks. J'accélère avant de me faire rentrer dedans là. Pourquoi je suis descendu? Mais quelle andouille! Tu aimes ça? Je voulais faire un prélèvement au sol du sable de Pandora. On veut pas savoir ce que tu veux prélever. C'est une ouais. Terrible planète. Pouk. C'est vrai, il y a des échantillons géologiques à prendre. Voilà, ah mince ah. L'ascenseur, il est parti. Nine. J'avoue, c'est un peu la loose là, ouais. Je suis en train de me demander, c'est où qu'il faut monter, du coup. Non, il y a, le... y a la deuxième nacelle. Ah oui, il va avoir l'élégance de nous renvoyer l'ascenseur. Il est où le bouton? C'est moi ou j'ai mal vu le... Mais attends, il n'a pas fini son voyage, c'est un long trajet. Là, c'est la... c'est le levier qui est là, normalement. T'imagines, c'est un trajet qui prend 2 heures in-game, vie réelle, et du coup, c'est le bug du jeu. Non, là, il est arrivé, non. C'est les développeurs sadiques. C'est le développeur sadique. Moi, j'ai vérifié, est-ce qu'il n'y ait pas de mal au trésor caché. Ah, attendez-moi. Putain. Adieu. Vite, saute, saute, attrape ma main. Salut. Ah, le sage en aura une cabine et rien que pour nous. Aïe. J'ai déjà monté au 7ème ciel. Que les personnes de moins de 18 ans changent de style. Enfin bon, moi je dis ça, ma chaîne est réservée aux plus de 18 donc. Ah bah, je vais encore me faire récurer avec de la chartreuse, moi. Oh putain. Ça, c'est juste pour nettoyer. Ça, ça va, t'es content d'être avec moi, Nayone? Tu vas voir, ça va anesthésier. Tu m'en diras des nouvelles, tu vois. Oh, les horreurs, les os, c'est parti. On bloque, vas-y, on bloque les appareils pour pas qu'ils viennent. On peut pas, la commande, elle est en bas. Venez la sucette iséroise. Oh. Oh là là. Ibi. Ah là 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 là. Ah, Ascar Kappa qui s'adresse à Christella en disant « Hello, comment vas-tu? Coucou à Noisette et Cannelle. » Ah bah oui. Vivi, bonjour aux filles. Qu'est-ce que j'entends? Ah, un véhicule qui fait ce vacarme chez moi? Non, ça c'est ma braguette. Non. Qui débite? Ouais, c'est bon, ouais. N'importe quoi. Je crois que j'ai épuisé le stock là, je crois. Ça y est, t'as fini de t'échauffer? Ouais, des armes ici. Vivi, distributeur de matos. Des armes de merde, mais des armes quand même. Oula, y'en a du pop. Oh oui, oui. Avec Nayone, on est juste rentré dedans comme des bois. Aïe, hein. Oh, tout le monde en même temps, on s'est dit, allez, ça y est. Ça va chier. On arrose et on les crève. Combat de machine gun. Combat de tourelle. Là, maintenant, y'en a marre d'avoir des mobs de merde là. Ouf, faut que je récupère la thune de mon suicide. Je le vois en face. Ah, c'est un électrique! Non, brutal! Ah, mince. Je vais y arriver. Vous avez tout vandalisé, j'ai envie de dire. Fichtre. Ah, non. Donc, c'est des sauts comme dans. Comme de Halo, dis donc, j'ai l'impression. Il va pas mourir, hein. Ça peut marcher. Ah merde, tu peux tuer.
Ouais, tant qu'il fait bon, ouais, bah ouais, c'est gérable. Tu m'étonnes, Christella. Tu vois pas qu'il y a une grosse canicule. Ah bah d'accord, il a choisi la solution de la simplicité, le sage, l'escalier. C'est ça. Moi, je m'emmerdais à passer par les tonneaux, là. Oui, je vois que t'essayes de faire des cabrioles en cirque, tout à ton honneur. Comment que c'est dit? Non, mais c'est comme ça qu'on découvre des objets bonus, c'est bien. Il faut de l'inventivité dans les yeux. La Shaman est dans le mal, il n'y a pas d'ennemi. Je t'observe, hein, vas-y. À un moment, je t'observais plus. Ah. Bon, j'arrive à mettre ma veste. Au dernier moment, j'ai réussi à le choper. Oh, les émissions, c'est terrible dans ce jeu. On leur fait des choses. Ah, un monticule qui dissimulait quelques munitions. Bah, c'est pas perdu. Ouf. Tiens. On sommes tellement dans la richesse que vous passez carrément à côté des containers, vous les ouvrez même plus. Oui, on tarde. Ouais. Pourquoi faire? On va récupérer de la merde de toute façon. J'ai le snobisme. Tiens, petite pièce de billet. Il nous enrichit le sage. Ouais, après, 3000 dollars, ça vaut le coup. Ah, il y a des petits casiers. Il y a un coffre à droite là-bas, en gros. Chez Lama, le fourre-tout. Qu'allons-nous trouver dedans? Ah oui, je le vois. Ton coffre de la mort. Ouais. Est-ce qu'il y a de la merde, comme d'habitude? Un soldat et puis un fusil d'assaut de merde. Poste de communication, mais pourquoi l'avoir mis? Ah, voilà pourquoi, d'accord. Ok, ils ont installé le... On a eu la même idée. Ah, vous êtes de l'autre côté. Ah, moi je suis retourné vendre toute la merde que j'ai lootée à la machine. Bon. Bon, maintenant faut qu'on trouve des pyromanes, des chimistes et des gars au jetpack. Ça... Bah les gars au jetpack, si on va dans l'autre sens, de l'autre côté de la ville, on devrait en trouver. Donc, bah demi-tour. Hein. Nous avons des quotas à respecter. Qu'est-ce que... Ah, c'est Nayone qui essaye de forcer le passage. Non, non. Ça marche. Non, je suis tombé comme un cave. Comme un cave. Putain! Longtemps que j'avais pas entendu ça! Non, oh Oscar Capac, moi je fais partie de ceux qui boudent les Jeux Olympiques. Donc non, je n'ai pas regardé là. Je me suis contenté. On veut même pas en entendre parler! Ouais, je me suis contenté de quelques billets d'infos dans la presse. Où visiblement les étrangers ont beaucoup apprécié. Les Italiens disent que c'était la perfection. Il y a un commentateur de télé allemand qui paraît-il était aux larmes ému. Submergé par la beauté de la... Et les Américains qui sont un petit peu braqués, je crois aussi, parce qu'ils se demandaient comment ils allaient faire la leur dans 4 ans à Los Angeles, parce que visiblement, on aurait mis la barre assez haute. Bah, mais... vu l'argent qu'ils ont, t'inquiète pas qu'ils vont faire quelque chose de bien. Ouais, mais l'argent fait pas tout, faut avoir l'idée, le talent. Ce que les Américains, excusez-moi du coup, n'ont pas forcément. On leur envoie Aya Nakamura. Dragon de Lorraine n'a pas regardé. Moi non plus, pas la télé. Elle a regardé. Ouais, soirée, hein, j'ai pas pu regarder. Le seul que j'ai vu, c'est tout à l'heure, celui avec Gojira. Qui est assez provocateur, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et les gens qui étaient offusqués dans les commentaires, mais ils me font trop marrer, quoi.
Je sais pas ce que j'attends là en fait. Cinq clinquants. Arrange la bagnole. Tu veux être avec moi? Vivi. Je suis au poste du gros canon, comme tu aimes. Oh pétard! Dit-il, dans 2 minutes tu vas en rajouter une pire, tu vois. Aïe! Moins de 2 minutes, même ouais. D'ailleurs. Non, j'ai pas rien à. Cacahuète. Ouais, t'aimes pas le gros canon du sage? C'est nouveau ça. J'ai plus rien à dire là, je. Bah, tu sais, hein, t'as la réalité. On t'a vendu. Ah, oh, je t'ai vu chuter ce bug. Pas d'abord! Du coup, il préfère la. Ouille! On l'a explosé. Hein. Parce qu'il préfère la réalité et il en a marre de la fiction. Mec, à pas de chance, on peut avoir le bonjour de Selendia. Est-ce qu'il y avait René? Non, René. Si, c'est Selendia. Le mec a compris. Bon, et si on s'arrête là, tuer quelques mobs? Il les jette pas ici, je crois, normalement. Tuer Kenny. Non, c'est pas ici. Ah, la référence. Mais il y aura peut-être il y aura peut-être des chimistes ou des. Tu dois passer grand chose, celui-là. Allez, descends! Ah, je descends, excuse-moi. Oh, pardon. Non, c'est je voulais mon stage. Ouais. Là. Je me pose la question, quelle arme vais-je prendre? Il est bien mon petit pistolet à l'acide. Je l'ai fait fondre. Comme alors, est-ce qu'on aurait des mobs un peu spéciaux? Pyromane, machin. Pas. Merci, Claptrap. C'est encore des soldats électriques. Moi, je visite. Oh! Allez. Des choses à shipper. Je crois qu'on avait des pyromanes de l'autre côté de la map. Il n'y a pas des DLC où justement c'est des on doit ramasser les œufs pour la grand-mère et puis sauver l'arbre le chaton devant le chat. On est sûr de rencontrer le loup. Oh là là, au secours. Au secours. C'est bon, je m'en vais. Ça devient fou. Je ne sais plus ce que j'entends. Aïe, ça fait mal. Il y a besoin d'être sauvé. Ah oui, c'est violent chez vous. Waouh, qui vole lui. Moi, chez moi, c'est très calme. Bon, je me casse, ça pue. Muséologue brutal. Ah ouais, mais c'est pour ça que je me fais fumer avec des brutaux partout. Oui. Je suis pas habitué, monsieur. Tu sais où il faut aller, je pense que tu sais où il faut aller pour faire cette quête là. Et sur la fin du jeu, il devait y avoir un peu de tout. Parce qu'on avait les chimistes. Je sais plus. C'est vrai qu'il y avait un peu de tout à la fin. J'ai pas vu de pyromane par contre. Merci. Maintenant, c'est le DJ Psycho qui est presque à terre. Avant qu'il meure, vite. Voilà, ouf, il est sauvé. Bravo. C'est un travail d'équipe. L'un qui n'est pas mort et l'autre qui envoie la téléportation. Excellent. Bon, bah, y'a un véhicule si vous voulez. Ouais. Là, je suis à genoux. J'ai pas dit. Je suis jamais à genoux. Attendez, hop, vas-y, conduis le sage. Oui, je comprends. Conduis le sage. Ah oui. Voilà, bah, j'avais pris les deux plats. Mais vas-y, fonce, t'occupe. Bah, mets-toi devant, puis on te pousse, Nayone. Ok. Oh, tu es notre plus beau bouchon de radiateur. Oh bon, c'est. Je. C'est. D'accord. Voilà, maintenant, faut tourner. Je regarde le véhicule. En fait, faut le regarder de face, comme ça, ça m'évite de me faire éjecter. C'est ça. C'est très bien. Faut que j'ajuste. Non, mais j'ai été éjecté. C'est quoi cette arnaque? Bon, t'es arrivé en ville. T'en fais pas, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, Nayane. Adieu. On va où, chef? Pas tout faire des farces à Nayane, mais il faut quand même rentrer en ville. Je vais faire une autre farce, vous allez voir. Allez-y. Ce que vous allez voir. Ce que vous allez voir. On s'arrête là. Il y a plein de choses à faire en ville. Bon. Il y a une quête que j'ai pris, mais c'est pas la peine d'essayer de la faire. D'accord. Mais je pense que. Bah, quête pour niveau 61, je pense que c'est pas la peine. Sérieux? Ça existe à ce niveau? Ouah. Non, j'ai pas envie. Mais oui. c'est le boss secret caché ultime, là, machin, là. Ah. Mais c'est une quête qui se fait normalement une fois que t'as fait tous les DLC.
Bah, tu m'étonnes. Ah, mais j'avais pas vu que le monsieur avait un autre conteneur. Dommage. Ça ne m'intéresse pas. Ah, l'infirmerie est ouverte. Ouais, ouais. C'est pourquoi, depuis que ces guignols de la lance écarlate sont arrivés, j'ai plus de clients que jamais. Mmh. Oh mon dieu, ce crâne posé sur le bureau. Ah oui, vous savez tout ce que vous avez besoin de savoir. Je suis d'accord. Je conçois, je suis un peu en PLS. Un petit peu. Ouais, tu mets pas ta toile pour te soigner. Bah là, on est. Pardon, excusez-moi. Intérieur. J'aurais pu, c'est vrai, mais bon. En même temps, comme tu dis, on a plein de thunes alors. Mmh. On fait fonctionner l'économie locale. Qu'est-ce? The Ridgeway. Le pont de San Francisco, le Golden Gate. C'est ça. Énorme pont. Ah là là là, là c'est non. Sûr. Lockdown. Fait exprès. PS. Exprès, exprès. Parce qu'elle aime faire des rentres dedans. Oh. Bande de copains. Aïe. T'as fait exprès aussi? Non, non. Non, non, je jure, patron, c'était pas moi. On prend cher là, on prend cher. Bah, je fais ce que je peux. J'évite. Attends, j'évite les balles. Voilà, je vais à fond. Interroge. Le deuxième opus Borderlands se passe également sur Pandora? Oui. Oui, ils se passent tous sur Pandora. Waouh, cette planète est terrible quand même. Mais moi, c'est ce que je disais, je compte pas les faire dans l'ordre de sortie des jeux, mais dans l'ordre chronologique. Ah, c'est vrai, tu nous avais expliqué. Ce qui fait que ça donne quel ordre, s'il te plaît, si on suit ta logique? Bah, en fait, tu fais Borderlands pré-séquel. On va mourir! On est mort. Alors, faut faire d'abord pré-séquel d'après toi, ensuite le 2 et après le 3, ouais. Etc. Oui, parce que. Pour résumer rapidement, oui. Il y a dans le pré-séquel raconte l'histoire du Bojack avant son arrivée dans Borderlands 2, en fait. Ah, je conduis, c'est malin. Et j'arrête la fureur dès que je monte dans le véhicule. Donc il faudra que je télécharge que j'installe le pré-séquel avant. D'accord. Oui, de toute façon. A plus, Racer Capac. Bon été à toi si on ne te revoit pas. Déjà rediscuter, savoir ce qu'on veut faire après avoir fait celui-là. Est-ce qu'on enchaîne par le suivant ou est-ce qu'on fait autre chose? Attention. Moi je suis prêt à suivre ta logique, petit set. Non, mais quand je dis est-ce qu'on fait autre chose, c'est est-ce qu'on fait un autre jeu que qu'un Borderlands? Moi je fais pas le 2, hein, j'ai déjà fait. En multi. Bonne journée, Rascar Capac, merci d'être passé. Oui, mais on passe par le PCL d'abord. Je suis Nil. Je fais juste un Borderlands et. Bah, tu sais, droit de la place à quelqu'un. Oui, exactement. Moi aussi, je laisserai la place pour le. C'est un peu normal. Ah d'accord. Oh c'est rigolo, ça va changer. Ah disons qu'en fait j'aimerais bien reprendre mon samedi matin. Je conçois. De dispo. Je conçois. Disons qu'en vrai ça va ranger aussi, mais bon. Bah à vous de voir, sinon on peut faire une pause, hein, prendre une autre année. C'est pas de soucis. Non mais peut-être décaler notre coop à une autre demi-journée. Éventuellement, oui. Oui. Parce que disons qu'il y a je tiens beaucoup au stream du vendredi soir que je pouvais plus faire jusqu'à maintenant, mais maintenant je peux. Et du coup je vais reprendre sur un jeu qui risque de me faire finir assez tard. Donc pour le samedi matin en fait ça va être. Et voilà. C'est génial. Merci. Oh bonzi et l'infirmier. Ouais, de la merde, de la merde. Et de la merde. Pourquoi c'est que des électriques ?
pas sur quoi je tire, je deviens tout fou. Je mens. Allez. Les volants, vous êtes où? Ah la vache. Bah alors. Fais du bien un peu de calme. Ouais, j'avoue, j'ai même pas entendu, j'ai pas compris une seule fois ce que vous avez dit. Super, je m'y attendais pas. Bah, petit Seb avouait qu'à la fin de sa chaîne, il a un super programme. Et cherchez Bao. On va tous s'abonner. C'est pas forcément ce que j'ai dit, mais. 3 sur 10. Oh non! T'es tombé, il y a un escalier en fait. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Raskar Kapak qui dit au revoir, Nash le pilote. Dis, piak. Je ne suis pas breton. C'est Raskar Kapak qui le dit. Il t'a qualifié de pilote. Non, pas le vide. Mais je croyais qu'il y avait un voilà. T'es moqué de moi. Ouais, je suis tombé dans les limbes. Tu t'es moqué, t'as fait la même. Voilà. Je suis tombé dans les limbes de Pandora et Chapik. Surtout compte en banque. Ça m'a pris 200 000 dollars encore. C'est un scandale. Je veux une meilleure assurance vie. Ouais, ça va, Twitch te paye assez bien. Twitch. Oui, d'ailleurs, tu rigoles, mais il faudrait que je fasse ma compta. Oui, je l'ai pas faite. Je sais plus où j'en suis. Dans la jolie tirelire. Ah, on fera le point. Ouais. On fera le point dans le détail au 1er janvier prochain. Là, y en a un qui hurle à la mort là. Attends, moi je vais avancer. Ouais, il manque du sang aussi. Hein. Ah bon? Je change les vampires. Ah si, j'ai quand même une visée. Ah non, elle est mauvaise. Ah, c'est fou ça. Ah oui, d'accord. Effectivement, de l'intérêt de faire usage du viseur. Ah voilà, des pyromanes. Ah bah je tire sur sur Nage d'ici desquels devant moi. Je ramasse pour la thune. Attends, je comprends plus là. Pourquoi j'ai pas le droit de progresser? Sur l'annihilateur. Ah, c'est sur le côté, merde. Excusez-moi, j'ai caca dans les yeux. Yene Seplou Yue. Oh, il y a des graffitis. Turtle all the way down. Pourquoi ils veulent abattre les tortues? Attention, c'est un soldat infirmier, ça. Pyromane brutal. Pyromane brutal mort. Moi, j'ai rien vu. Moi, ça va tranquille. Je suis loin derrière, en mode touriste. Je vérifie si vous avez bien fini tous les containers. C'est rigolo. Mais je trouve des trucs, c'est ça le pire. Non, mais c'est vrai. Regardez votre indicateur, là j'ai des piles de billets, des liasses. Comme ça là. Voilà, oh, ouais. Je suis mort d'un coup. En quelques coups. Bon, les pyromanes, vous êtes où là? Sortez toute cachette. Les pyromanes. Non, là. Enfin, il y avait. Pyroman droit devant un ingénieur. C'est dans la série. Il donne de la merde, je prends. La thune. Ça s'est calmé là, c'est au niveau de la vocale. Mmh. Vache.
on reprend des forces pour redire plus de conneries après. C'est le calme avant la tempête. Je suis monté à bord. C'est extraordinaire tous ces... Tous ces coffres à vanille fraise. Qu'est-ce que... Vanille fraise, c'est très bien. Ah d'accord, il y a son conteneur qui est encore en fuite. Ok. On y va doucement. Il nous reste quoi à tuer parce que du coup avec le sang le marqueur de quête c'est un peu ok. Mm-hmm. Des chimistes, des volants... Ah bah des chimistes là. Oh, on va peut-être faire le ménage ici. Putain mais... Ah mais c'est toi qui t'as un missile, d'accord. Mm. Bah là aussi d'ailleurs. Réussir à bien viser, c'est pas évident. Là, j'ai raté deux fois. Waouh, j'arrive à la civilisation là. Il y a pas mal de bâtiments. Boum! Putain, j'ai eu un second souffle en plein vol. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jeté une grenade au même moment, je sais pas si ça joue. Ça cache quelque chose ou pas? Ah non. Chimise. Il y a un volant quelque part, non? Je sais pas. J'ai pas fait gaffe. Là au-dessus. Mmh. Il y a un volant. J'adore le robot. Ce robot contient du poison pour les animaux, le bétail et les gens nommés Jason. Hein? Ok. Bon, bah, ce que j'ai entendu, moi j'ai un ego qui vient de crever son pneu dans ma rue. Ça fait un sacré bruit. Chimiste ouais. De la lance. J'ai trouvé un chimiste, j'ai besoin de votre aide pour le tuer parce que mon corps à corps c'est Elias. Hey, on y va! C'est bon, il est mort. Non, il y en a un autre à côté. Il y a encore deux volants en plus. Ça vole! Ah, les volants, c'est bon. Ah, encore un haut. Voilà. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Trois chimistes, il nous manque. Mm-hmm. Pyromane aussi. 4 pyromanes et 3 chimistes. Au pire, les pyromanes, on les aura dans le tunnel. En... Jusque là, je crois qu'on n'en aura pas d'autres. Waouh, il y avait le. Il y a un chimiste brutal au-dessus. J'ai entendu l'orage dans le jeu. Ouais, je suis un soldat de la... Je suis en train de me demander si les chimistes brutaux comptent en fait. Fonctionne. Défenseur. Brutaux. En fait, Nayone fait tellement trembler tout mon écran que je vois plus rien. Oh. Ah, ça fait trembler le... Ah oui, oui, oui. C'est pratique pour viser, hein. T'as la vache. C'est l'homme lion. Donc, tu vois, nettoyage, il nous manque c'est un super. Chimiste et 4 pyromanes. Un chimiste, voilà, on va attendre qu'il repop, non? Non. Ça va être long, mais là il y a peut-être des ennemis, non? Nayone, par rapport à la quête, il est parti en mode kill Bill, tu sais, il raye du sang de ses ennemis la liste, ceux qu'il a éliminés pour honorer le contrat. Mais il les déchire à la main, ouais. Ça, c'est sa spécialité. Mm. Oh, ouais. Les ennemis. Ah,
En fait, c'est pour ça que je mets l'autre quête, parce que l'autre quête va être sur... ben, on va croiser des mobs en chemin, tout ça. Ouais. Parce que si on chasse que les mobs qu'on a besoin, ça va être lourd. Ben non. D'accord. Attends, faut nous... Aïe. Attends, ok. Le cercle, il est par là-bas. Attends, je monte. Monte. Putain, la vache. Aïe. Ah, chic. Non, allez-y sans moi, je me téléporterai en siège passager. Il faut que je gère, moi, du commerce. Il faut que je gère un commerce. Tiens, je crois que c'est la première fois que je vois des grenades électroniques au contact. Woodidou. Eh, j'ai ramassé pas mal de trucs. Ouais, à l'acide, j'en ai pas mal. Non, je suis vraiment content de ce que j'ai. Allez. Oh là, les grenades. Oh, grenade à 100, hein. Ouais, bof. Mais putain. Mais toi, le sage, on arrive au TP. Ah, pardon. Attends, je vérifie. Ah, je veux dire qu'on soit passé par là encore. Ouais, moi non plus, ça me paraît nouveau. Non, cette zone, on l'a jamais faite. Ah. Attendez, excusez-moi, je finis plus vite. C'est bon. Vous avez mon feu. Surtout qu'on va se TP, va y avoir des machines derrière. Ouais. Oh, il y a des trucs d'armes. Des grenades à transfusion dans la machine, le sage. Bonjour, monsieur. Des trucs d'armes de merde. Rencontre avec le directeur du cercle du devoir, un certain Zach. Le cercle du pouvoir. Qui est son? Excellent. J'ai perdu les filles. Oula. Jeune cadet, survivez jusqu'à la fin du round. Encore une arène? Je crois. Ah oui, effectivement, il y a plusieurs machines de vente. C'est fou, ça. Celle-ci, c'est elle donne ça. De l'XP, alors. Ah, bon. Ah. L'arène de la mélange. Tous les joueurs sont requis. Attendez, je vais vendre les merdes. Non, c'était la... Ah, putain. C'était la quête que je voulais pas faire, c'est la quête 61. Ah, demi-tour. Demi-tour. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est bon, je suis pas enclenché dedans, hein. Ah, si. Ah, non. Non, c'est bon, je suis sorti, attends. Non. Ah, mais non, c'est moi qui étais sur la mauvaise... Non, c'est moi qui étais sur la mauvaise quête, c'est bon. Oh. On peut venir. Ou pas. Sans faut que tous dans, qu'on soit dans le cercle en plein milieu. Sortez vos morts. Oula, oula, ça y est, je crois que j'ai le cachet qui commence à faire effet, ça va être compliqué. Ouais. Le soir, c'est le mieux. Non, c'est le matin, faut que j'aime. Ouais. On risque d'être un peu moins attaqué. Ah merde, faut bouger là, faut bouger. Ah merde, merde, merde. C'est vaste ici, dis donc. Ah ah ah, tu peux prendre ton bouclier si tu veux, je m'en fous, je passe à travers. Oh. Putain, je suis complètement là en train de laguer. Même pas besoin d'armes électriques. Bah non, l'expérience de jeu de petit Seb est ruinée. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a des latences sévères. Ah, ça c'est pas cool. Sur le stream et sur le jeu en même temps. Qu'est-ce que c'est que ces boules d'énergie? C'est moi. Tout ce que j'espère c'est que... Et qu'on a un méridien. Non, c'est que le jeu pompe pas parce que sinon ça va tous vous sortir. J'ai mis en plein milieu des ennemis, je vais crever.
Là, j'arrive pas à péter son dos. Vas-y. Merci, Nash. Parce qu'en fait, le problème, c'est que celui-là, avec son pack, là, il régène son armure en permanence. Pour le tuer, c'est un peu compliqué. Oh, c'est pas... Oh, bah. Oh, c'est dégueulasse, ça. Ah, c'est bon. Oui. Il y a des soldats qui en ont en masse, là. Qui veut tuer des soldats en masse. Qui veut tuer des soldats en masse. J'ai vu la référence. Eh, ça marche les pyromanes dans cette arène ou pas? Bah, normalement. Hein. Les gens doivent être présents. Qu'est-ce qui se passe? On a fini le premier round, il faut qu'on se remette en... Non, il y a 50 ennemis. Oh non! Attendez-vous, t'es juste. Oui, sur le tout, c'est pas. J'aime toi, munitions! Nouveau trophée pour mon manoir! C'est extraordinaire! Acquisition de matos, même si c'est de la camelote. Camelote? Mais. Eh, mais il passe à travers la porte! Mais c'est chiant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce bug. Ah, faut être dans la zone? Non, je comprends pas. Bon. Bah, apparemment, si. Attends, je vérifie la quête. Ah. Bon, je vais vendre mon bordel. Bandit tout. En fait, je suis en train de me demander s'il faut pas qu'on reste en plein milieu. Restons en plein milieu. Venez tous au milieu. Venez. Les bords extérieurs, mais effectivement, vous avez raison, il n'y a rien d'intéressant à ramasser. Donc, effectivement. Ah non, c'est une arène, il n'y a rien à ramasser. Pas juste les saloperies qui drop. Ouais, mais Nash a raison, moi j'allais vider des saloperies que j'ai sur moi. Moi je ramasse rien de toute façon. Mais je pense qu'il a commencé à faire pareil parce que. J'ai trouvé un bouclier à 778 là. T'es bien? Mais vas-y, prends-le. Non, c'est bon, j'ai 812. Si personne le veut, je le vends. Et bah, vas-y, vends-le. Ok. Ah, vous avez mieux du coup? Je sais pas. Je sais pas, mais j'ai une régénération rapide du bouclier. J'ai 811 moi alors. Okay, bon. J'ai 639. C'est trop tard. Trop tard, c'est vendu. C'est beau, j'aime beaucoup le paysage. Alors, tiens, qu'est-ce qui bouge au sommet? Mince, mais il y a du grabuge. Il y a du grabuge. Oh, le machiniste. Ah, oui, merde, faut que je change d'arme. Ah, il nous reste plus que deux pyromanes à tuer. C'est cool, ça compte. Oh, Manoyonné en PLS. Bah, je suis réapparu, tiens. Bravo, c'est bien. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vais encore mourir là, bêtement. Le méridien est déchargé. Ah, mais tout à l'heure, il y en a peut-être un qui est mort tout à l'heure. Ça va, Nash, tu t'en sors? Ouais. Non, c'est petit Psycho. Ouais, c'est celui là, relève. Je suis pas dessus. Eh ben, ton tour de nous sauver. C'est vrai? Ah non, c'est. Ah oui. Je suis en train de le relever déjà. Bien merci. Joué. Et le gros vilain du pyromane va mourir. Ça pique. Oh, ça change tellement tout de pas avoir de bouclier. J'adore qui pique. Ah, pyromane pour là-haut là. Yes, je crois qu'on a eu la quête. Ouais, c'est bon, on a eu les pyromanes. Oh bah. Il est où, Nash? Non, c'est bon.
que la volonté. Qui c'est qui me tire dessus? Quel est le brigand? Ah, c'est lui le brigand. Ce pistolet est incroyable. Oh non, c'est pas ça que je vais faire. Ah, bien joué les garçons. Bon, moi il faut que je recharge mes armes. Oh là là, il y en a des morts. Bon bah c'est bon, on va. Il y a surtout des liages de billets. Ouais, mais je crois que ça, c'est un problème de connexion. Oh oui, c'est ta box internet qui est en train de lâcher, ouais. Avec un peu de chance, comme c'est les grandes vacances, il y a peu de personnes qui changent le matos. Profites-en pour demander à l'avance, tu sais, d'avoir une box de remplacement, petit Seb. Mmh, au moins, tu seras serein pour ta rentrée. Ça te permettra. La rentrée, je m'en fous. J'aimerais bien une box tout de suite, là. Oui, pour le loisir, mais je pense pour le boulot, toi aussi, que tu puisses. Voilà. Que t'es au moins pas de la contrainte de la technique et que t'aies pas de questions à te poser et que tu sois opérationnel. En tout instant, dans ta grande productivité telle qu'on te connaît. Je vais vendre au distributeur. T'as combien de ventes d'affaires? Aucune idée. Oh, bon appétit, Rio. Bon appétit. Il se fait une pizzouille, le vénard. Là, je suis en train de sombrer, là. Alors, il y a beaucoup de demandes en été à cause des orages, attention. Bah oui, mais tant que t'es dans une région où il n'y a pas, justement, eu d'orage et avant qu'ils arrivent... Oui, je sais que t'as... Enfin, oui, t'es très occupé, cousin, ça j'en doute pas, dans ton secteur. Mais dans celui de petit Seb, j'ai bon espoir qu'il soit à peu près peinard. J'ai un bouclier à 860, ça intéresse quelqu'un? Mais oui, je te donne raison, cousin. Bah, moi, du coup. Ok, mais il recharge à 75. Mm-hmm. M'en fous. Ok. What? Attends, c'est un bug, ça. Attends, je vais revenir vers moi. Je vais te passer le bouclier avant de commencer l'arène. Mais je suis à côté de toi. Ok, je vends toutes les merdes. C'est un bug de conception graphique. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, c'est là. Land. Ouais, c'est bon, j'ai ramassé. C'est par terre, là. Si ça... brillant vert très fort. Eh oui, bonne pizzouille, cousin. Oh, le vénard. Ben, je dis ça, je crois que moi, je peux me faire une flamme à cush. Je dois avoir ça dans le frigo, mais j'en ai pas envie. Moi j'ai des pâtes à terminer. Excusez-moi. Ah, toi tu manges des restes, Nayane? Oui. À la guerre, comme à la guerre. Ah, bah y'en a qui est parti. Ah non, c'est bon. Mm-hmm. Ça a commencé. Non, ça a relancé un nouveau. C'est cool, ils ont laissé les cadavres. Tournoi. Oui. Merde. On cumule les cadavres dans l'arène, c'est violent. Alors par contre, j'ai pas tout compris. J'ai pas identifié le point d'arrivée des ennemis. C'est des portes avec la grande porte avec le logo. Effectivement. Comment ça, apparemment, il y a une autre porte là-bas. Ah oui, je suis mort, merde, hein, Kiko. Ah oui, il y a un mec là-bas. Je suis en train de tirer comme un gros malade alors que j'ai l'arme héritienne, je suis sorti de la furie. Alors ça pique, le défenseur de la lance. Allez, danse. Danse pour moi, danse-moi un foxtrot. Oh. Allez, joue. Et improvise-moi une chorégraphie pour le petit bonhomme en mouche. Et toi, tu l'as fait bien la chorégraphie, le sage, à tourner autour des mobs. Bah écoute, ça au coup. Je révise quelques pas de danse.
Ah oui, je viens de voir l'animation d'arrivée des ennemis. Je delay. C'est un peu Noël. Avec un peu le borderline. Là, je fais gaffe à tes PV. Ah ouais, mais À ta droite, y'a un enfant. Ouais, justement, c'est ce que j'attendais. Aïe, le bon vilain. Voilà, ça tâche trop là. Ils vont se calmer, oui. Allez, mourir. Mais. Ah, le sage. Ah, je me fais saucer. Aïe, ah, j'ai été trop efficace avec la tourelle, du coup, tout le monde me tombe dessus là, et oh. Ça pique, bande de brigands. Ça va mourir. Là. Ah, c'est qu'ils sont sacrés connus. Ils sont où les cibles humaines? Ouais, il faut revenir au centre de l'arène. Je vais monter par là. Ah, la plan. Viens par ici que je te. Maillot Roquefort. Roquefort, j'adorerais. Tu vas me faire saliver, c'est scandaleux tout ça. Quelliche Roquefort. Quelliche Roquefort. Aïe. Qui ose me molester? Le champ m'a tourné. Il doit couler mon sang. C'est que la rage. Aïe. J'y vais un peu plus loin. C'est un défenseur brutal. Pas mal. Alors, ils ont ouvert le. Oui, je veux aller aux machines là parce que j'ai l'inventaire qui explose d'objets. Je n'en peux plus. On m'appelle le sac dans la région. Ah. Sac de Nancy. C'est ça. Dès que j'arrive dans le quartier commerçant, il y a une éclipse. Oh, si je n'imite pas par ta sagesse, tu masses par ton... Parce que je laisse des traces, c'est ça, à vous le... Par ton volume. Oh mon dieu, j'ai l'image en tête, là. Il y a beaucoup d'images en ce moment. C'est ça, à colorier. Ça, c'est la faute à toutes les conneries qu'on dit, je pense. Je deviens plus fort à chaque instant. Ah, mais sa quête, ça dure combien de temps? T'es chiant, là. Ouf! Ah, j'ai des boucliers intéressants ou pas? Ce bouclier, moi j'en ai un, il fait presque 800. Waouh! Il faut que je m'équipe de ce bouclier, c'est une trouvaille. Ouh! Ah ouais, je passe de 639 à. 778. J'ai bien monté en gamme. Monter en gamme. Parce que je pense que ce sera le dernier que je fais parce que je vais pas tarder à manger. D'accord. Comme du tout ici, pas tarder à manger. On va griller un peu. Parfait, parce que je pense que moi, il va falloir que j'aille m'allonger là-dedans. Oui, c'est chiant. Mais... Sinon, on peut s'arrêter tout de suite. Hein. Non, oui. Je tiens, mais après, je vous laisse. Il faut que j'aille. Justement. Ils sont là, les brigands, ils sont là. Et chez la guerre, la guerre témoigne nucléaire. Ah. Déploiement des tourelles. Oh, puis j'ai pas balancé de grenade. Tiens, attrape. Je vais les
Trop loin, ça les touche pas, les mobs. Ils sont où, les villes, là? Ils sont où? Non, mais sérieux, je vais vendre ce sniper. Ah, je vais être dans le caca, là. La chaman a besoin d'être secouru. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Ça va peut-être se faire. C'est bon, ça s'est merci. Fait. Oh, yeah. En fait, j'étais déjà à côté de lui quand il a dit je vais être dans le caca, alors. C'était pas du spawn kill qu'on est en train de faire? Je sais pas. Écoute, j'aurais 4, disons 4 mois facile à tuer. C'est vrai. Allez, danse-toi, je veux te voir danser. Danse, McFly, danse! Oh bah putain, alors celle-là par contre je l'ai payé. Il y a un brutal électrique sur ma position, faites gaffe. Mmh. Si j'arrive à le péter l'autre là-bas. Hein. Merci pour la réanimation. De rien. Oh, il est mort juste après. Ah bah ça y est, ils mettent les volants. Les voiles. Les volants. Est-ce qu'il y a encore des mobs? Ouais, d'accord. Ah oui, les volants, ok. Ils mettent les voiles, ok. T'as pas la tourelle, merci. C'est ça. Efficace, professionnel. Du spawn kill, quoi, sérieux. C'est ridicule. J'ai un volant avec un lance-roquette. Un volant brutal d'ailleurs. Ah ouais. Lui, c'est un peu plus compliqué de spawn kill. Aïe. Ouais, en même temps, je me jette en plein milieu aussi. Hein. Je suis pas plus malin. Il y a quelqu'un qui est en train de le relever? Merci. Ah, j'ai du mal à viser. Hein. Toujours vivant, toujours debout. Rassurez-vous. Bah, est-ce que pour c'est la vraiment banane. Ta banane, tu la laisses là, elle est. Je laisse au sage la banane. Bonne suggestion, c'est vrai que je m'en suis acheté. Miam. T'as acheté des bananes de Nash? Eh ben, je savais pas qu'il en avait plusieurs. Ah oh bah écoute, hein, je fais payer maintenant. Ça y est, vous en avez le payer. Il y avait droit à la période testée, j'envoie les échantillons, maintenant ils payent. Un élevage de bananes. C'est la banane! C'est la banane! C'est la banane! C'est la banane de l'amour. Ah. Écoutez, je me fais soucier. Je peux pas t'écouter, Rio. Bah, je lag tellement, je tire, ça touche même pas les ennemis, alors après ça travaille. Une autre encoche sur moi. Wow, comment il se décompose, lui. Ouais, j'ai merde, je suis pas merci. Ouais, je t'ai pas relevé, tu t'es relevé. Ah, mais t'as tué la tourelle, ça doit être pour ça. Ah, après, par contre, tu passes devant quand je tire. Moi, je suis en mode furie. Ah oui, alors. La tourelle. Il est mort. Il est mort. Oh, bah non, Nash. J'arrive, Nash. Bah oui, j'arrive. Ah, attendez, ça peut peut-être se faire. Vas-y, tu peux le faire. Peut-être se faire. Défenseur brutal, allez. Ah, oh, je tire dans les armures. Ah, ouais, non, il est mort avant.
Merci, Daisy. Il est mort, le. Ah, mais ils sont encore combien, ces connards? 14 millions. Je sais pas. De toute façon, si c'est, pas la dernière... si c'est pas la dernière vague, ils vont rester. Enfin, la dernière. Massacré! Je m'en reprendre une! Torturé, gibouillé. On va faire ça de tous les temps. Oh là là. Je sais pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, ça va devenir grave. Okay. Oula, il y a même les armes qui sont de l'autre côté du bouclier. Fin de la barrière. Allez, passer. Merci. En fait, on a explosé les ennemis dès leur arrivée, mais le problème c'est que le matos a giclé du mauvais côté de la barrière. Il en reste encore. Il en reste encore. Il reste qui? Je m'interroge parce que là je vois plus de mouvement. Encore un garde royal, je sais pas quoi. Garde du roi. Garde. Lequel joue à cache-cache, qui se dénonce. Le roi. J'ai entendu un tir par là. Il y a un véhicule. C'est super. C'est d'accord. Ah bon, c'est un véhicule qu'il faut déboîter, un char descend. Ouais. Oh. C'est bon, on l'a eu. Bien joué. Ah, un roquette, ça coûte en roquette. Bien joué. Pétard. Oui, il y a du commerce à faire. C'est des adultes. Niveau supérieur. Du bien commerce joué. À faire. Oh, il y en a encore une derrière. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Je te dis qu'il y en avait encore au moins une derrière. Enfin, je pense que... Sors là, je... Ah, le samedi prochain, vous êtes libre. Je serai pas... Alors, je serai présent sur Twitch, mais pas pour Borderlands. Puisque le samedi 3 août, je vous informe avant d'oublier. Samedi 3 août, j'ai plaisir de consacrer encore la journée avec mon cher cousin. Ah ben voilà, c'est encore la faute à cousin Rio. Oh, ça vous fera une pause dans le Borderlands. Et là, qui va venir jouer Borderlands avec nous? Par contre, le week-end après, je suis pas là. Eh ben, on fera ça à fin août. Attends. Ah, t'as un doute? Oui, si, le week-end après, je suis pas là du tout. Ouais, je crois que c'est. Eh ben, c'est très bien. On fera Borderlands la suite fin août. Le 16. Par exemple. Oui, on peut faire le 16 août, le week-end du 15 août. Là, il y a un truc, il y a quelque chose à faire. Moi, je vais sûrement en diffuser d'ailleurs en bonus un ou deux jours en plus. Faut que je pose mes jours, je l'ai pas encore fait. Mais oui, ça va se faire. Une scène est disponible pour jouer à Minecraft apparemment. Ouais, il va aider Nash avec son coach. Bah, je te ferai un copier-coller d'une scène quand j'aurai mis à jour mon agenda sur Discord pour te dire quel jour exceptionnellement je serai dispo. Je te passerai l'info. On s'organise des trucs si tu le souhaites, bien évidemment. Mais même la semaine qui arrive, là, peut-être que jeudi après-midi, tiens. Jeudi après-midi de cette semaine, je vais peut-être diffuser sur Twitch. C'est pas à exclure. En petit bonus. Que je me bloque une demi-journée pour faire mon foufou. Oula. Bon. Il est mort en faisant la danse d'Hélène, lui. Ouf. Cette posture. Toi, tu continues à stream le sage? Oui, je vais garder mon antenne, comme dit une scène déjà tout à l'heure. Oui, on va. Et puis demain, oui, on peut jouer ensemble une scène, exactement. Alors, sachant que je suis dispo pour le multi dès le début d'après-midi, hein, là. Le temps de me restaurer, je suis prêt à faire des jeux. J'ai l'épisode commenté qu'à partir de 17h. Ensuite, bah, je ferai de la route de nuit, de samedi à dimanche. Donc demain matin, pour ma part, je risque de ne pas assurer le direct demain matin pour le Final Fantasy. Tant pis, c'est pas grave. Ce sera pour un autre dimanche.
Et demain, je reprendrai mon antenne. Bah, quand je serai à peu près frais, réveillé, je risque d'être méchamment décalé. Il n'est pas à exclure que je prenne mon antenne demain qu'à partir de midi pour les jeux en multi. Les copains. Merci, petit Seb, pour ce relais de chaîne. Et bon appétit à toi. Bon appétit. Merci. Ouais, j'ai balancé à l'arrache. De toute façon, je suis encore en train de laguer à ouf sur le sur OBS. Malheureusement. Donc j'ai pas compris, on arrête ou on fait encore le dernier round? Non, non, on arrête. Ah, moi j'ai coupé là, je vous laisse, je tiens plus. Vive. Okay. D'ailleurs, faut que je me déconnecte pour que le pauvre petit Seb puisse proprement sauvegarder le serveur. Ah, c'est bien, merci les copains. Je suis content, j'ai eu mon défouloir du samedi matin. Ouais, je l'arrête tout seul. Et c'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. All right, soyez les bienvenus. On va se faire des clips le temps que je me mange un morceau ce midi. Je sais pas ce que je vais me cuisiner. C'est un mystère pour moi. J'ai la chance d'avoir le frigo plein, j'ai fait mes courses hier. Mais alors, pour croquer quoi? Donc, la semaine donc le 3, non. Le 10, non. Donc ça ramène au 17. La prochaine session. Ok, pour le 17. Bah ouais, on va se faire une bonne pause de 2 semaines. Ça va relancer l'envie qu'on y rejouera, c'est bien. Ouais. Oh, oula. Merci les copains, c'était cool. Bon appétit. Moi je vais vous